Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic, live numéro 36 en cette veille de déconfinement. Voilà, on est le 10, demain c'est le 11 et pour les Français qui me regardent, eh ben écoutez, demain a priori il y en a certains qui vont reprendre le chemin du travail ou pas, du télétravail, etc. Donc ça va être très certainement un live un petit peu calme. Je suppose que des personnes vont essayer de se coucher tôt ce soir. En tout cas, je suis très content de vous voir ce soir pour ce live. Il y a déjà du monde sur le chat. Salut Deforult, salut Roger Chine, salut Kamika, salut Rosalind. Il y a déjà Kamika qui dit tellement. Carrément en avance en fait, non. Pile à l'heure, je pense. Je suis pas trop mal, je suis pas trop mal. écoutez, ravi de faire ce live ce soir avec vous. Oh, salut Monowi, ça tombe très bien parce que je vais parler de toi. Alors, du coup, écoutez, sans plus attendre, on va se lancer le récap de la semaine. J'ai quelques petits trucs à dire. Et puis après, on va se lancer sur le sujet qui nous intéresse ce soir, à savoir la partie 2 du Mat Balise pour la Coupe de France de robotique 2020-2021. Je sais pas trop, hein, voilà, vous avez vu, j'ai laissé 2020. En supposant qu'il se passerait quelque chose en 2020. Donc, on verra bien. Salut King! Alors, du coup, c'est parti pour le récap de la semaine. Et alors, du coup, la première info que je voulais vous présenter, on va mettre un petit peu de musique. Voilà, vous me dites si la musique est trop forte. Déjà, premier lien que je voulais vous envoyer et vous donner, tu devrais mettre coupe 22x, ouais. Ça serait beaucoup plus précis. Ce serait à la fois imprécis et précis. C'est assez étrange. Alors, c'est un lien qui a été partagé sur le Discord de la Coupe par Monowi, qui est la maxi-liste des ressources Eurobot. Donc, du coup, que je partage, si vous le voulez bien, dans le chat. Salut Grumonton. Et du coup, je partage parce que c'est une super initiative. C'est plein de liens sous la forme d'un GitHub sur du coup la coupe, des sujets, des supports sur la coupe. Et du coup, c'est vraiment, vraiment très, très chouette d'avoir ça. Salut le Palakis. Et merci Yann1978 de me suivre. Voilà, n'hésitez pas à aller dessus. Donc, Monowi qui est de la team Vrac et qui a fait un truc qui est vachement bien avec plein de liens intéressants dedans. Donc, si jamais vous voulez faire la coupe, vous voulez faire des robots d'ailleurs, je vous encourage à aller voir. Il y a plein de liens intéressants et puis ça sera mis à jour au fur et à mesure. Info numéro 2, du coup, c'est que dans cette liste, il y a un lien qui a été présenté et un sujet qui a été présenté par CVRA et notre équipe de la Coupe, qui est un lien concernant la calibration de l'odométrie pour les robots de la Coupe. Alors, je ne vais pas refaire tout le document, eux l'ont expliqué pendant leur live et on va en parler aussi. Du coup, le document est très très synthétique et du coup, hyper. Voilà, il va à l'essentiel, hyper intéressant et explique comment, en fait, avec une base robotique avec deux roues et deux roues folles, on est en capacité de calibrer son odométrie avec des séquences de fonctionnement très simples à mettre en place. C'est hyper intéressant, c'est en anglais. Et du coup, oh, j'avais pas vu. Alors, c'est intéressant parce que je tombe sur la vidéo. Et du coup, il y a Cabriolin de Robotic System qui cette semaine s'est un peu chauffé. Il s'est dit, putain, c'est génial cette technique parce que moi, quand je l'ai fait, c'était la galère. Là, ça a l'air hyper simple. Je vais faire une vidéo, je vais le mettre en application et puis je vais l'envoyer. Donc, du coup, il a fait une vidéo YouTube. En fait, vous avez la vidéo directement là, mais en fait, je vous remets la vidéo. Hop! Dans le chat, et du coup, vous avez une vidéo qui explique comment ça fonctionne par Cabriolin. Donc, c'est vachement bien. C'est deux équipes qui ont fait un travail sur le même sujet et qui se retrouvent là en fin de semaine. Donc, c'est vraiment vraiment chouette. Allez voir la vidéo, allez voir le tuto de CVRA qui est très très bien écrit. Et puis, si vous avez un robot de ce type-là, n'hésitez pas du coup à appliquer en fait ces préceptes-là. Moi, j'ai lu alors. Nous, le nôtre n'a pas de roue folle, de roue libre.
Avec encodeur, pardon. Et donc du coup, ça nous concerne pas encore, mais bah en fait, comme c'était prévu de le faire, voilà, dans les mois, années qui viennent, eh ben je sais que j'aurai ce document pour faire ça. Evolutech, c'est les meilleurs. Oh bah écoute, oui, si tu veux, oui. Moins un. Salut à non-viewer. Donc voilà, allez voir CVRA, allez voir ce qu'a fait Cabriolet en Robotic System, c'est super chouette. Alors on parle. Salut. Dis, moins un, moins un. Salut Alf. Alors voilà, il y a déjà des gens là sur le chat qui stream, et je viens de parler de CVRA qui a fait un stream également. Donc il y a Kamikaze, il y a Alf, j'ai pas encore vu Nesnes, mais peut-être qu'il va arriver, il y a King. Du coup, ça me semblait intéressant de les mettre en avant. Et pour faire ça, et ben tout simplement, alors normalement j'ai une petite liste live. Wow, regardez comment c'est bien fait avec le petit truc au-dessus. Ça c'est moins bien fait, ça par contre. Attendez, hop. Voilà. Je l'ai fait un peu à l'arrache avant le début. Nickel. Voilà. Donc, il y a plusieurs personnes qui viennent à streamer en ce moment autour de la robotique. Du coup, il y a King of Chouf, Alex Nesnes, Severa, Kamikaze d'Evolutech, Alf de Goldorak, il y a Ericksoner de REA comme King of Chouf. Bref, du coup, il y a plein de gens. Et ben maintenant, si vous allez si vous êtes sur le Twitch, là, normalement, vous enlevez l'agrandissement d'écran si vous l'avez mis, vous descendez en dessous et il y a Friends maintenant, avec tous les liens vers les différents streamers actuels qui stream pour la coupe. Donc n'hésitez pas à les faire un petit coucou, à les suivre, à regarder ce qu'ils font. Enfin bref, j'ai mis tous les liens dedans. Donc ça c'est plutôt voilà, partager aussi ce que les autres font. Alors du coup, il y en a plein qui arrivent entre dents. Vincent Invaders, salut. Ah bah salut Alex, du coup Alex Nesnes qui vient d'arriver. Tu devrais partager leur chaîne. Eh bah c'est good, c'est fait, regarde. Juste en dessous là, tu regardes Twitch, hop, un lien, il y a toutes les chaînes, tous les liens vers les YouTube, les Twitch. Si je me suis planté, vous me le dites, je le ferai, je modifierai après. Bref, c'est nickel. T'es sûr du titre live sur Twitch, Barbatronic Live? Ah, bah peut-être pas, non. Attendez, je vais regarder. Il y a peut-être une erreur. Je l'ai vérifié avant. C'était 36 Mad Balise. Ah! Ah, on va changer. Mad Baise. Ah ouais. Bah non. Pas du tout. Mad Balise. Ça, c'est dommage. Salut Tic Tac. Merci. Barbe Open Source. Donc, à suivre sur le compte Twitter de Goldorak. Oui, alors, j'ai pas mis les Twitter. Encore. Twitter, Facebook, tout ça, je le mettrai plus tard. Mais voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Très trophée friendly tout ça. Ah bah pour l'instant il n'y a pas véritablement de streamer trophée. Mais dès qu'il y en aura, avec plaisir. Hein. Mad Bezou. C'est ça. Enfin, ce qui m'interroge quand même, c'est que je ne l'ai pas changé depuis la semaine dernière. J'ai juste changé le numéro. Et donc ça veut dire que c'est là depuis un petit moment quand même. Mais bon, bref. Alors, je vais couper. Ah bah tiens, Twitch qui commence à planter. Super, j'adore, j'adore. Ça part super bien ce live. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, du coup, tant que j'y suis, calendrier du live qui est aussi en dessous. Si vous cliquez sur Friends, vous avez le calendrier qui s'affiche maintenant. Attention, attention, la magie de la... Voilà, il s'affiche maintenant. Là, vous l'avez en plus grand en dessous en lien. Donc, nous, on est le 10, demain 11, il y a un live de King of Chouf d'Area qui va présenter leur robot et l'électronique. Donc ça va être un live très intéressant parce qu'ils vont faire une présentation de... Enfin, il va faire une présentation de l'ensemble du robot. Et d'un de leurs deux robots, le robot principal, le robot secondaire, j'ai un doute. King, si tu peux me préciser ça. Mardi, pour l'instant, il n'y a rien, mais il pourrait y apparaître quelque chose. Mercredi et vendredi, il y a toujours le live d'Evolutech, donc le live de Kamikaze, mais il y a aussi Alex Nesnes qui live aussi sur ces créneaux-là, donc voilà, n'hésitez pas à suivre ça également, et puis, bah, comme d'habitude, moi, le dimanche à 22h, ça ne change pas. Mon prochain live, c'est du code, eh bien, écoutez, il y aura du code pour Evolutech, et je suppose que ça sera du code aussi pour Alex Nesnes, puisqu'il fait souvent, très souvent du code. Du coup, bah écoutez, c'est très bien, on aura une grosse partie code cette semaine en live, j'ai l'impression. Donc ça va être très bien. Ah, tiens,
Merci. Bon, voilà. Tout se passe bien. Ce soir, ça va être compliqué techniquement, j'ai l'impression. Alors, maintenant que c'est fait, bah écoutez, on va passer au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, c'est le mât de balise, et non pas de baise. Sauf moi, pas de code. Alors oui, Alf, t'es pas de dessus, mais généralement tu live le samedi. Et du coup, effectivement, je suppose que ce ne sera pas du code. Et moi, à part ce soir où je vais vous montrer un peu de code, parce que j'ai besoin de vous montrer deux, trois trucs, je ne fais pas beaucoup de code non plus. Voilà. On sera un peu les chats noirs aussi la semaine prochaine. Alors, eh ben écoutez, on est parti? Allez où? Bureau. Alors ça, hop, on n'a plus besoin. On ferme tout ça. Je vais garder la maxi liste. Et on va passer sur du code. Et surtout, on va passer côté atelier maintenant pour vous présenter bah, ce que j'ai fait cette semaine. Et puis, du coup, aussi, un peu vous présenter bah, mes retours par rapport à ce que j'ai fait et par rapport à ce que j'ai testé et qui pourrait très certainement vous intéresser. Alors, on va commencer par un truc. Je vais quand même repartir sur la méca d'abord. On va commencer par la méca, on fera un peu d'élec après, et ensuite on va passer sur le code et mes tests. Ça sera vachement plus simple. Voilà, version simple, c'est ça. Alors attends, je live effectivement le samedi, mais je ne le mets dans le calendrier que quand je suis sûr de pouvoir live. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc en théorie, le samedi, suivez-le sur sa chaîne YouTube, ça sera encore plus simple, et comme ça vous aurez la petite notification. Alors. Je suis déjà perdu. Alors, Zou, bureau. La semaine dernière, on avait fait un début de proto de Mad Balise. Et donc, moi, je l'ai continué cette semaine. Et donc aujourd'hui, voilà, le proto qui me sert à faire mes tests, il ressemble à ça. Donc avec une base ici qui me permet de fixer mon moteur et de pouvoir le régler. De pouvoir fixer... Ah, je n'ai pas... Hop, le slip ring en dessous, donc le connecteur tournant, d'avoir une fixation pour ma carte électronique, etc. Et puis j'ai modifié la base aussi pour pouvoir fixer les capteurs. Vous vous souvenez, on s'était arrêté à juste une base bah, plate, en fait, sans rien de comme fixation. Et je cherchais du coup des idées pour pouvoir fixer les capteurs. Et c'est Romain de CVRA qui m'a donné une petite idée de jouer sur l'élasticité et la souplesse du. Enfin, plutôt la souplesse du plastique, du PLA et de l'impression 3D pour pouvoir réaliser l'inclinaison des capteurs. J'ai trouvé l'idée vraiment chouette et du coup j'ai fait quelques essais pour pouvoir tester ça. Alors bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce truc-là. Hein, voilà, ça me permet de tout fixer. Juste vous le montrer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est voilà cette partie, le plateau pignon. Bref, voilà cette partie-là. Donc vous avez vu, j'ai deux versions, une V1 et une V2. Ça, c'est la première version que j'ai testée. Alors c'est une version sur laquelle je venais mettre une vis ici et la vis en fait poussée sur sur cette surface en pente pour pouvoir monter ou descendre le capteur. Et j'ai testé deux choses, j'ai testé plein et vidé ici. Voilà, je vous montrerai après les résultats. Et la deuxième version, le deuxième principe finalement, c'est de faire un petit peu l'inverse, c'est de garder une zone, alors là pour le coup pleine, mais de mettre la vis et l'insert du côté du support de fixation de capteur, donc à cet endroit-là, et de pousser avec la vis. Voilà. Donc ça, c'est les deux protos que j'ai testés. Et puis bah, on va voir tout de suite ensemble. Barba a travaillé dur. Bah, j'ai eu le temps de travailler le soir un petit peu cette semaine, c'est assez rare, mais là j'ai eu le temps de le faire. Et bah du coup on va voir ces deux protos, enfin c'est même plus que ces deux protos, j'en ai fait plusieurs, mais sur ces deux principes et voir ce que ça donne. Allez, zou, hop, atelier. Alors, ça on va mettre de côté. Alors, c'est le bazar parce que j'ai tous mes protos comme ça. Alors, premier proto. C'était le proto avec des évidements à l'intérieur parce que j'avais un petit peu peur en fait qu'en plein ce soit pas suffisamment souple en fait. Et donc il s'avère en fait au final que bah, en fait en évidé comme ça c'est un peu trop fragile voire même presque trop souple en fait. Voilà, donc ça a gardé sa forme. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait une autre version qui est ici. Voilà, qui était beaucoup plus sympa, donc en plein, voilà, avec la vis qui passe ici. Et alors là, je m'étais un petit peu planté
sur les dimensions. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis un petit roulement ici pour pouvoir combler en fait le lac de pente. Mais bon, le principe reste le même. Donc du coup, si je tourne, voilà, je viens générer un angle. Sauf que vous le voyez ici, là la vis, elle part pas droit en fait. C'est-à-dire que la pression que j'applique sur la vis dans ce sens-là, elle est assez importante et en fait du coup ma vis elle bagote un petit peu. Bref, c'est pas hyper satisfaisant dans ce sens-là. Donc, oh attendez, je peux peut-être même faire. Est-ce que je peux faire complet? Yes, nickel. Je sais pas si on verra mieux. Bon, on verra. Du coup, suite à ça, j'ai testé donc mon autre solution, qui est cette solution-là. Donc avec l'insert à cet endroit-là, et on vient visser pour pouvoir générer une pente. Alors là, par contre, si on peut voir, c'est que quand je suis, donc là, voilà, quand je suis complètement dévissé, ben, je suis à plat. Et quand je visse, voilà, je génère un angle. Et cette pièce-là, elle est restée 4 jours comme ça, du coup, avec cet angle-là. Là, je viens de la dévisser et bah, la pièce, en fait, elle reprend sa forme. Alors, il faut la forcer un petit peu, voilà, mais elle va reprendre sa position. Et c'est finalement relativement, bah, relativement fiable. Donc, moi, je suis parti sur ce principe-là, au final. Donc, c'est la V2, avec l'insert à l'intérieur et puis la vis dans ce sens-là. Et tout simplement, le capteur qui vient en fait se visser, voilà, ici, comme ça, voilà. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai sur, voilà, sur cette version-là de mon proto. Alors, ça va pas être évident de vous montrer parce que, voilà, peut-être comme ça mieux, voilà. Et du coup, ça fait une intégration qui est très très petite. Bon, après, il va falloir la modifier, ça on en parlera après, mais ça fonctionne hyper bien. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que j'ai testée, que j'ai beaucoup testée et qui a finalement bien fonctionné. Deuxième chose que j'ai pas fait pendant le live et que j'ai faite là, c'est la grosse pièce en dessous. Donc ça, c'est une version qui a foiré. Donc, voilà, on a deux versions qui sont là. Qui me permettent en fait, qui me permettait normalement de venir me fixer sur des maker beams, mais que j'ai pas utilisé pour l'instant, juste pour un petit essai de détection, qui me permettent aussi de venir fixer ma carte électronique, mon PCB ici. Donc le PCB que j'avais déjà fait et qu'on voit en fait ici, que j'avais déjà fait pour mon ancien mat balise, où j'ai repris le même, comme ça au moins, hop, reviens ici toi, comme ça au moins c'est pas perdu. Et un petit trou ici pour venir fixer la carte avec le capteur. Alors là, j'ai fait une toute petite carte avec une petite fraiseuse. Alors, je ne sais pas si vous voyez. C'est la carte qui est là. Voilà. Ici. Qui est fixée à cet endroit-là. Et qu'est-ce que c'est basiquement cette carte? En fait, c'est. Alors je vais ouvrir les gueules. Vous allez voir, c'est ultra simple. Donc c'est la carte qui est là. Voilà, et qui va permettre en fait de venir mettre juste mon capteur à effet-Hall. Capteur à effet-Hall qui est un A1324, je le mets ici. Voilà, et le circuit il est tout simple. En fait, j'ai mon capteur à effet-Hall qui est là, j'ai un découplage de 0 microfarad avec une capa entre le 5 volts et le GND au plus proche du capteur, et j'ai une petite LED qui me permet de savoir si c'est alimenté ou pas. Voilà. Du coup, le circuit, il est vraiment ultra simple. Alors, je l'ai fait pour que ça puisse être fraisé très facilement avec la Bantam. Donc, 1 minute de fraisage pour en fraiser deux. D'ailleurs, je crois que. Ah, voilà. J'ai un autre circuit qui est là au cas où ça foirait. Et puis bah, tout simplement en fait on vient brancher ça, on a 3 fils, on va récupérer, on va l'alimenter donc en 5 volts, on va avoir la masse et puis on va avoir le retour capteur en output analogique. Tout simplement et puis c'est tout en fait, voilà, c'est très simple. Et ce capteur il va nous permettre de détecter un aimant et les deux pôles d'un aimant. Et ça c'est quand même hyper intéressant et c'est ce qu'on va voir bah, dans quelques minutes secondes. Voilà. En fait, pour la mécanique, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, mécanique, électronique. Vous voyez que j'ai deux capteurs dessus différents. Je vais en parler un petit peu après.
Autre chose aussi que j'ai fait, c'est que j'ai branché mes câbles dessus, mais je les ai pas soudés, c'est juste entortillé avec un petit morceau de scotch pour pouvoir changer très facilement sans avoir besoin de dessouder ou souder très rapidement. Donc, vraiment sur un proto. Qu'est-ce que j'ai encore à te dire d'autre? J'ai pas de variation de vitesse du moteur, donc je tourne à bloc à 5 volts. On va voir pourquoi, a priori, c'est pas trop important d'avoir une variation de vitesse, sauf si on voudrait tourner un peu plus vite avec une tension plus élevée, mais moi j'en ai pas forcément besoin aujourd'hui. En tout cas, sur mes tests, c'était pas marquant. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je réfléchis vite fait. Bon, après, j'ai d'autres choses qui sont apparues quand j'ai fixé et quand j'ai make it means fast. Ça va pas être ultra fast, mais mais voilà, je reviendrai dessus un peu sur la conception parce que en fait, je dois la reconcevoir complètement cette balise parce que je m'y suis mal pris en fait. Les 3 fois où j'ai conçu cette balise, je suis parti d'abord du slip ring pour monter jusqu'au capteur en fait. Et en fait, il faut que je le fasse à l'inverse, il faut d'abord que je passe par le top, par les capteurs, et ensuite que je fasse descendre l'ensemble du design par rapport à ce design-là en fait. Je l'ai pris dans le mauvais sens. Donc il va falloir que je repense tout ça. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai déjà testé beaucoup de choses et c'est juste une question de dimension, quoi. Là, il faut essayer de réduire parce que ça rentre un peu trop juste dans les 10 par 10 et j'aime pas beaucoup ça. Bah écoutez, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Si, pour la suite, quand même, il faut quand même que. J'ai l'impression d'avoir un spinner. Il faut quand même que je vous dise un truc. C'est teaser du live 37, alors. Bah, j'espère qu'on commencera à le faire pendant le live 36, quand même. Salut Bobico. Alors, j'avais mis 4 points pour des aimants. Finalement, j'en ai inséré 2. Et je les ai insérés en opposition de pôle. Donc, il y en a un qui a le pôle nord d'un côté et l'autre qui a le pôle sud orienté dans l'autre sens. Voilà. Et vous allez comprendre après pourquoi c'est intéressant pour faire mes essais. Et est-ce qu'on pourrait s'en servir ou pas, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de l'avoir en tête et de pouvoir le faire. J'ai pas mis les 4 aimants parce que je. Bon, vous allez comprendre après pourquoi. J'en ai pas forcément besoin. Mais bon, l'idée, c'était de tester déjà avec 2 aimants. Alors, maintenant qu'on a fait ça, alors à moins qu'il y ait des questions, hein, mais c'est. Quelques secondes de calme. Je sais pas s'il y a voilà, des questions sur la méca ou sur les lecs. Rien de, honnêtement, rien de bien compliqué. Salut Fred J21. Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, enfin s'il y a des questions, bien évidemment, vous pouvez les poser après. Can it pin fast? alors, eh ben, allez, allez, vous voulez le voir tourner? Allez, on va le faire tourner. Donc, juste, je passe par la lime. Le moteur N20 est alimenté en 5 volts via la carte qu'on avait faite la dernière fois. Et là, j'alimente en 12 volts. Ça, je peux monter jusqu'à 30 volts. Mais de toute façon, ce qui va sortir, ce sera du 5. Voilà. Donc, on va faire des essais avec ce mat de balise fixé comme ça. Vous voyez que ça fait un peu de bruit. C'est un petit peu chiant. Ça, c'est dû voilà, au frottement. Mais quel est ce magnifique câble orange, la ref? En fait, c'est moi qui l'ai fait. Là, il y a rien du tout. C'est de la gaine tressée. Gaine que tu peux voir là en haut, j'ai un rouleau de gaine tressée orange. Tu peux trouver ça un peu partout, n'importe quel magasin qui vend de la gaine tressée. Et puis voilà, tout simplement. Spin, ouais, donc ça tourne. Et donc ça tourne pas aussi vite que ce que j'avais prévu à la base, mais c'est pas grave. Mais ça tourne suffisamment vite pour notre usage. Alors, maintenant qu'on a vu ça. Hop, on va charger un code. Alors, on va charger, yes, on va charger celui-ci. Alors, en fait, j'ai déjà fait un code. Je sais pas si je vais. Ça sert vraiment à rien que je le revoie avec vous. Bon, on peut le revoir très rapidement. C'est pas très important. Par contre, je vais l'arrêter parce que ça fait un peu de bruit. Alors, ça, vraiment, j'ai fait du code en Arduino assez.
assez dégueulasse. L'idée, c'était quand même d'aller relativement vite et puis de tester des trucs. Donc, je vais expliquer les morceaux de code au fur et à mesure où je ferai les essais pour pas tout tester. En gros, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je lis la valeur du capteur à effet Hall et je vais venir l'afficher. Voilà. C'est la seule chose que je vais utiliser là dans mon premier code. Donc voilà, j'ai décommenté cette ligne-là. On va l'afficher et on va regarder ce qui se passe. L'idée là, c'est que je vais vous montrer tout ce qui se passe. Il y a le son Windows au moment du téléversement périphérique détecté. Ah ouais, ça je suis désolé, vous allez l'avoir et je peux pas faire grand-chose d'autre à moins de descendre un peu le son du desktop. Ouais, ça va être chiant. Hein. Ça, je vous préviens, ça va être un petit peu chiant. Et en plus, l'Arduino Micro, il est pas très très sympa avec vous. C'est que il bip relativement souvent. Et alors, je sais pas pourquoi. Quand il se branche, il se met d'abord en 28. Il kill le 28, il se met en 29. Comme 28, puis comme 29. Incompréhension totale. Enfin, bon, bref. Clairement, ce sera pas le microcontrôleur que j'utiliserai dans mon bas de balise. Il m'a trop énervé cette semaine. Du coup, on va afficher le magnet value et puis on va regarder ce que ça donne. Alors, je l'allume. Coupe tes sons système. Oui, mais si je coupe mes sons système, il y a des choses que je vais louper. Je veux bien, hein, mais. Attendez. Ouais, je vais couper le son système, mais. Bon, on va voir. On va voir si j'ai pas d'autres soucis. Parce que souvent, Windows me fait des trucs très très bizarres. Je croyais que tu faisais pas de code. Je fais un peu de code. Un tout petit peu de code. Alors, on va ouvrir. Alors, je vais pas l'ouvrir là-dessus, je vais l'ouvrir avec Arduino, qui est pour le coup un moniteur série qui fonctionne vachement mieux. Donc là, en fait, je reçois les valeurs du capteur à effet Hall. Voilà, donc ça, c'est brut. Ça va très vite, c'est pas hyper lisible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'afficher avec le traceur série. Et là, c'est un peu la merde. Voilà, on voit pas grand-chose. À interpréter, c'est compliqué. Du coup, ce qu'on va se faire, c'est que dans un premier temps, on va couper ça. Et on va se mettre un petit délai de 2 millisecondes pour laisser le temps de visualiser un certain nombre de choses. Donc, il va y avoir des informations qui seront tronquées, mais pas tant que ça. On va réouvrir le traceur série. Et yes, nickel. Super. Alors, je vais arrêter. J'ai pas besoin de le faire tourner. Voilà. Impeccable. Donc, qu'est-ce que c'est que cette courbe-là? Ça, c'est typiquement ce qu'on reçoit du capteur à effet Hall quand il y a l'aimant pôle nord qui passe et l'aimant pôle sud qui passe. Comment ça marche? Grosso modo, alors je sais pas si lequel est nord et lequel est le sud. On va défini fonctionne mieux. USB0. Ah, du coup, il faudrait peut-être que je tente. Bon, écoute, ça marche comme ça. Je vais le laisser. Alors, comment il fonctionne ce capteur? En fait, il est assez intéressant parce qu'il me permet, ça troll, il me permet de détecter le pôle nord et le pôle sud. En gros, quand il détecte rien, il est centré sur la moitié de sa tension d'alimentation. En l'occurrence, là, c'est du 5 volts. Donc, la moitié, c'est du 2,5 volts. Et donc, du coup, là, je vais recevoir un signal aux alentours, s'il se passe rien, aux alentours de 520. De 520. Voilà, la moitié de 1024. 510, 512, quoi. En fait, j'ai un. Quand je fais mes tests, je suis un petit peu plus proche de 520. Mais bon, bref, je vais rester un peu à la moitié de 2024. Et quand il va détecter un pôle nord, par exemple, il va monter à une certaine valeur. Et quand il va détecter un pôle sud, il va descendre à une autre valeur. Donc en gros, en fait, il va se déphaser comme ça, en fonction du sens magnétique. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on s'attendrait plutôt à pas avoir cette espèce de remontée et de descente là, mais plutôt avoir quelque chose de plat, et puis d'un coup, fouf, une chute, et puis après une autre chute de l'autre côté. Alors, je suppose que c'est la forme du champ magnétique qui est générée par mes aimants qui fait ça, qui fait que quand je passe, il chape un peu du pôle nord et du pôle sud avant de s'équilibrer, puis après il repasse de l'autre côté. J'arrive pas trop à l'expliquer, mais je suppose que c'est. Ben voilà, quand je vois la forme que peut avoir un champ magnétique, je suppose que ça ressemble à ça. C'est un peu là, marrant parce que plutôt l'inverse quand on le met, mais ça a cette forme-là. Du coup, ce qui est super chouette, c'est que en fait, bah, si je prends ce pic-là, ça c'est le début de mon tour,
Ça, c'est la moitié de mon tour. Et ça, c'est la fin de mon tour. Voilà. Donc là, j'ai eu un tour. Voilà. Et là, j'ai eu un demi-tour. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, si j'avais mis deux aimants orientés de la même manière, j'aurais eu deux piques. Toujours en haut, par exemple. Mais je ne sais, je n'aurais pas su où est-ce que j'étais sur mon plateau. Là, le fait d'avoir les deux informations, eh ben, du coup, je peux savoir que bah, ça, c'est le premier demi-tour, première moitié de tour avec le capteur numéro 1, et ça, c'est la deuxième moitié de tour avec le capteur numéro 2. Voilà. Donc, c'est hyper intéressant après pour pouvoir en faire quelque chose et puis essayer d'ajuster un petit peu notre balise. Alors, attendez, j'ai Discord qui me saoule un petit peu. Quitter Discord. Voilà, alors. Ma courbe. Bon, alors du coup, maintenant qu'on a ça, qui est plutôt chouette, et eh ben du coup, on va aller à l'étape suivante. Et l'étape suivante, ça va être maintenant de tester mon capteur. Alors je vais juste tester. Off, est-ce que je teste mon capteur? Non, on va pas tester le capteur tout de suite. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on obtient. Et ce qu'on peut faire avec ça? Là, la première chose à faire, c'est qu'on peut mesurer le temps d'un tour. Donc pour faire ça, tout simplement, en fait, je vais. Alors, où est-ce que c'est? Voilà. Ce que je vais dire, c'est que quand je suis supérieur à une certaine valeur, je dis qu'il y a un tour qui est commencé, je mets un top d'horloge, et quand j'ai un tour qui est commencé et que je suis re-supérieur à une autre valeur, je dis que c'est la fin de mon tour, et puis je fais la soustraction du temps où je suis arrivé et du temps à initialisation. Alors je vais redémarrer, hop. Enfin, c'est juste chrono quoi, en fait. C'est exactement ce que je fais, là je fais un chrono. Waiting for upload. Oui, je sais. Alors là, du coup je vais devoir le relancer. Voilà, comme 29 là c'est bon. C'est très très bizarre. Je sais pourquoi ça fait ça, mais c'est vraiment très très chelou. Et maintenant, si je regarde le moniteur série maintenant, voilà, j'ai le temps que va prendre un tour. Donc là, en l'occurrence, 232, 231 millisecondes. Et ce qui est assez bien, c'est que, vous voyez, c'est relativement constant. Voilà. Et du coup, si je freine mon capteur, mon tour, bah, du coup, ça va durer beaucoup plus longtemps. Là, du coup, 600, 500, et les bananes, etc., etc. À partir de là, je peux aussi, par exemple, récupérer la vitesse. Voilà. Donc ça, pas de problème avec le calcul. Donc je vais récupérer la vitesse que je vais afficher, par exemple, en tours secondes. Moniteur série. Voilà. Donc, si j'affiche le traceur série, là, ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment. Voilà, on voit que c'est relativement bien constant. C'est pas mal quoi. Je veux dire, là on n'a pas fait de régulation, il n'y a pas de PWM, il n'y a que dalle, on est juste branché sur du 5 volts et c'est tout quoi. Là du coup, hop, là, je suis en train de le freiner. Voilà. Et à partir de là, en connaissant la vitesse, je vais pouvoir savoir où est-ce que j'ai capté quelque chose. Voilà. Ça c'est quelque chose que j'ai pas fait, que j'ai pas eu le temps de faire. Par contre, j'ai eu le temps de faire autre chose avec les capteurs qu'on va voir tout de suite. 4,5 tours 1 x 2 avec les deux capteurs, c'est pas mal. C'est effectivement pas mal. En fait, j'avais prévu un capteur à 10 tours secondes. Je vais le couper parce que c'est très chiant. J'avais prévu un seul capteur à 10 tours secondes. Et finalement, je vais avoir deux capteurs à 4,5 tours secondes. Donc, du coup, oui, c'est effectivement. Oh, Canard PPC. Ah, Canard PPC. Très bonne ref. Merci, Canard PPC. Bienvenue à toi. Ouais, du coup, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment honorable. Sachant que le moteur, lui, il est donné pour 6 volts. Là, je le fais tourner à 5 volts. Que je l'ai fait tourner à 7 volts et qu'il n'y avait pas véritablement de soucis. Donc, je me dis qu'on peut le pousser un petit peu et qu'avec une électronique un peu mieux faite, il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant. Voilà. Il reste sur des moteurs, je le rappelle, à quelques dollars. Hein. Voilà, c'est vraiment que dalle. Hein. Donc, alors, je répète, c'est les N20 à 1000 tours minute. Enfin, qui sont donnés à 1000 tours minute sous 6 volts. Je connais pas la qualité de cette information, voilà, mais je sais pas s'ils les font vraiment. En tout cas, c'est ceux que j'utilise aujourd'hui. Donc là, la vitesse, elle est pas trop mal en fait. Moi, je m'attendais pas à ça. Et donc du coup, c'est cool. On peut continuer avec cette information-là. Alors,
Maintenant qu'on a fait ça, eh ben, en fait, on va aller récupérer notre valeur de capteur. Alors, je vais. Attendez, est-ce que j'ai le bon capteur? Ouais. Alors, j'ai fait des essais avec deux capteurs. Alors, attendez, on va. Voilà. Il y a ce capteur-là qui est l'OPB 720 OPB 720B-12Z, voilà, qui a un capteur infrarouge. Et un autre truc que j'ai retrouvé, que j'avais acheté il y a une dizaine d'années, qui a, je sais pas, la seule référence que j'ai, c'est 50 NK. Alors, je vous avoue que j'ai même pas essayé de chercher sur sur Internet ce que c'était. Alors, 50 NK. Est-ce que je vais trouver? Ah ouais. Je le retrouve, je le retrouve. Donc c'est ce capteur-là, qui est un capteur infrarouge aussi, donné pour 5 volts, et qui va avec une petite vis de réglage et qu'on utilisait l'année dernière pour lancer notre expérience. En fait, on avait du scotch réfléchissant sur notre robot, et quand le robot partait, il détectait, et puis du coup, il y allait. Ça doit être un autre capteur pour les toilettes. Alors celui-là, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Enfin, ça, bon, voilà, c'est un peu bizarre. Mais néanmoins, je savais qu'il fonctionnait en réflectif parce que je l'avais déjà utilisé. Je me suis dit, on va le tester parce que j'ai eu quelques petites surprises avec l'OPB. Je me suis dit, autant tester d'autres capteurs. J'ai testé celui-là et j'ai testé un autre que j'ai pas monté, mais que finalement, je sais qu'il fonctionnera beaucoup moins. C'est un Omron. Voilà, un Omron. Des deux, je vous retrouverai la ref. E3Z-D61. Voilà. E3Z. Alors, E3Z-D61. Voilà. Petit coco là. Pareil, qui est intéressant, mais qui fonctionne en 12, en 10 volts de mémoire, à partir de 10 volts. Mais finalement, il ne m'a pas intéressé. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors, trêve de machin, j'ai les deux qui sont branchés, mais j'ai pas les deux qui sont interprétés dans le code. Donc du coup, c'est soit j'utilise le sensor pin avec égal à 7 ou égal à 6 selon que j'utilise l'OPB et le capteur 50 NK. On va commencer par l'OPB, parce que c'est finalement celui qui fonctionne le mieux, et on va venir juste afficher basiquement la valeur que l'OPB nous renvoie. J'ai rien d'autre affiché, ok, allez, c'est parti. Voilà. Et là, je vais me mettre en complet parce que je vais avoir besoin des deux. Ah! Alors, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher la courbe. Normalement, ça marche. Voilà. Alors, du coup, je vois en fait. Voilà. Il m'envoie un 1. Et alors, ce qui est intéressant, voilà, c'est que. Alors ça c'est pas très visible, mais c'est que quand je rapproche, vous voyez que la longueur du signal est plus importante, forcément, puisque il va venir détecter toute cette partie-là. Et quand je l'éloigne, du coup, le signal se rétrécit. C'est complètement logique, mais en tout cas, voilà, ça permet de le valider et de dire que ça fonctionne. Donc ça, voilà, que je sois derrière, devant, etc., ça fonctionne de manière impeccable. Voilà. Ceci étant fait, maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être de calculer cette longueur. Alors, ça c'est pareil, c'est très simple. On va, dès qu'on va le détecter quelque chose, on va venir déclencher un petit chrono. Et puis dès qu'on ne va plus le détecter, eh bien, on va enlever ce chrono. Et puis on va regarder combien de temps s'est écoulé entre les deux. Je fais mon calcul en micro secondes, je vais d'abord l'afficher en millisecondes, juste pour que ce soit plus facile à visualiser. Puis j'ai une petite LED qui s'allume, ça c'était plutôt pour voilà, montrer que ça fonctionnait ou que ça fonctionnait pas quand je faisais mes essais. Alors du coup, là maintenant, ça c'est debug objet. Voilà, et on va le faire avec un, puis je vous montrerai après avec deux. Ah, faut que je l'allume par contre, sinon il va me gueuler dessus. Par contre, j'ai plus le petit bilip, du coup, je ne sais pas quand est-ce que c'est bon. Ouais, voilà. Oui, je sais. J'ai voulu aller trop vite, désolé.
Voilà. Et maintenant, on va afficher le moniteur série. Voilà. Alors, comment ça marche? Vous voyez, il y a quatre paramètres. Alors, du coup, forcément, j'ai bougé. Le premier, en fait, c'est. Je vais stocker ça dans un tableau de 4 entier. Et je vais dire, bah, le premier, c'est le premier que je repère. Le deuxième, c'est le deuxième objet que je repère, etc. Et donc là, en fait, j'ai le temps en millisecondes de détection de ma balise. Donc ça veut dire que si je me rapproche, vous voyez que la valeur augmente. Si je m'éloigne, la valeur va être ici. Et ce qui est intéressant, c'est que. Voilà. Ah, je détecte encore quelque chose. Sachant que c'est un capteur qui est censé détecter qu'à 6 cm, à 20 cm. Si je vais plus loin. Là, je ne détecte plus. Alors, c'est parce que. Voilà. Je détecte. Là, je détecte encore quelque chose. Bah, vous voyez qu'on peut estimer quand même relativement loin la distance. Et du coup. C'est intéressant. Oh mince, il y a le zoom sur le moniteur. Pardon, excusez-moi. Hop. Ah oui, mais alors par contre, vous n'allez pas voir ça. Est-ce qu'il y a le zoom sur le moniteur? Non, il n'y a pas le zoom sur le moniteur. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous l'afficher sur le. Ah voilà, là, ça sera peut-être mieux. Voilà. Voilà. Alors là, c'est en milliseconde. Mais du coup, barba debout, oui, ce serait intéressant de mieux. Ouais, désolé, désolé. Je l'ai mis en plus grand. J'ai un peu de lag sur rien. Donc voilà. Donc, ce qui est chouette, c'est que ça a l'air de bien fonctionner. Et je vous ai dit, c'est un tableau de 4. Du coup. Voilà, si je mets deux balises, eh ben, je repère qu'il y en a une qui, dont le signal dure 13 millisecondes. Et la seconde, dont le signal dure bah là, 25 millisecondes. Voilà. Alors comme ça tourne dans le sens horaire, c'est d'abord celle-là, et puis après celle-ci. Voilà. Du coup, c'est plutôt cool. Donc ça marche très bien. Et j'attends le mai. Mais il y a un souci. C'est quand je fais ça. Alors attention. Voilà. Là, c'est bon encore. Et là, boum. À cette distance-là, environ une vingtaine de centimètres, et ben, je capte les deux, en fait. Pour lui, il n'y a qu'un seul objet. Voilà. Quand je rééquilibre, là, je les retrouve. Problème qu'on voit aussi quand je suis dans ce sens-là, voilà. Et quand le capteur passe de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est un souci. Éteindre. Ouais. Du coup, ça c'est un problème. C'est un vrai. Je vais me remettre sur la webcam. C'est un vrai gros problème parce que du coup, effectivement, Alex, tu dis, il détecte pas le drop. Et bah oui, il détecte pas le drop entre les deux. C'est-à-dire qu'à 20 cm, je vais avoir à 20 cm à distance égale du capteur, je vais avoir bah, comme si c'était que un seul et même. Objet. Alors c'est assez répétable, donc ça peut se corriger dans le sens où dans le code je peux dire c'est chelou, il y en avait un qui était à cet endroit-là, un autre qui était à cet endroit-là. Regardez, c'est encore plus flagrant quand on le fait avec des courbes. Je vais vous le montrer avec des courbes. Tracer série, tracer série. Yes. Regardez. Là j'ai une valeur. Vous voyez? Alors attendez, parce que pour les courbes, on va le mettre en microsecondes, c'est beaucoup plus visible. Parce qu'en millisecondes, merci, merci, mais c'est pas terrible. Alors, hop. On va dégager ça. Moniteur série. Non, pas le moniteur, le traceur. Voilà. Voilà. Donc là. Voilà, j'ai la deuxième qui apparaît. Voilà. Et puis comme j'ai ça qui est. Voilà. Là du coup j'ai la première qui est encore visible, donc celle-ci. Et celle-ci, elle a disparu pour le coup. Voilà. Quand je repars, hop, on repart sur la même distance. Bon après, ce qui est cool quand même, c'est que ça a l'air quand même relativement fiable et répétable. Hein. Pour avoir joué avec ça pendant
quelques minutes. C'était quand même vraiment pas mal. Je bouge, je tremble. Bref. Alors, je vais arrêter là. Alors, il y avait des questions. Mais si tu arrives à mesurer la taille de 1, tu dois voir le trou entre les deux. Alors, en fait, Romain a raison. Romain a mis au-dessus, c'est le cône de détection ou le temps de désactivation qui pose problème. Alors, en fait, je pensais que c'était le temps de désactivation. Et c'est pour ça que j'ai essayé avec le second capteur. Et en fait, le second capteur, quand je l'ai mis, lui, il a un cône qui est bien plus dégueulasse. Et finalement, j'avais exactement le même souci. Sauf qu'en plus, j'avais des variations dans le temps. C'est-à-dire que c'était pas stable. J'avais des trucs qui bougeaient. Par rapport à l'OPB, ça n'avait rien à voir. Donc vraiment, l'OPB, pour le coup, fait un bon travail là-dessus. Le souci, en fait, c'est le cône. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon capteur face à moi. J'ai mis les deux balises comme ça. Et je me suis rapproché jusqu'au moment où celle-ci détectait. Et celle-ci détectait, et oh surprise! À cette distance-là, j'obtenais 20 cm. En fait, voilà, le problème, c'est que le cône, il est très très grand sur ces capteurs. Encore plus grand sur celui-ci. Et je vous ai dit tout à l'heure pourquoi j'utilisais pas le Homerun. Et ben, tout simplement parce que lui, dans la datasheet, le cône est encore plus grand. Donc, pour cette version-là. Donc, finalement, le OPB reste la meilleure solution que j'ai aujourd'hui à ma disposition pour réaliser ça. Alors, attendez, parce qu'il y a des capteurs. Il y a des questions. Pourquoi ne pas tourner moins vite pour laisser le temps au signal de revenir? Ah bah en fait justement parce que c'est pas un problème de temps de signal, c'est-à-dire que je peux même tourner 3 fois plus vite pour avoir fait les essais. Au début c'est ce que j'ai fait. J'avais exactement cette approche-là, c'est que je me suis mis à 2 volts, j'ai tourné très lentement et j'ai fait. Bah attendez, comment ça se fait? Je retrouve exactement le même espacement. Donc ça veut dire que c'est pas ça, c'est pas le temps de réaction du capteur, quoi, en fait, c'est pas lié à ça. T'as essayé de ne pas te mettre derrière, histoire que ça rebondisse pas sur toi. En fait, ça rebondit pas du tout sur moi. En fait, tu vois, quand je fais mes essais, j'ai plein de trucs autour de moi, et tu vois qu'il détecte rien du tout. Au final, il détecte vraiment que la partie réfléchissante. Donc de ce côté-là, ça marche bien. Et le capteur, il retourne quoi dans ce cas avec un slip pour avoir plus de valeur à l'écran? En fait, le capteur, c'est un capteur tout ou rien, Alex. Du coup, je vais avoir 1 ou 0, donc je peux rien faire. Passer au laser. Alors, du coup. Il y a une version de l'OPB qui a une version laser classe 1. Il faut que je fasse des essais avec ça pour voir si le champ est plus réduit. Mais voilà, l'idée c'est ça. Est-ce qu'utiliser un OPB avec une distance plus importante pourrait avoir un cône plus petit? Bah, exactement, bah, King, c'est ça, c'est que l'OPB, la version 30Z, est une distance de détection de 1 mètre environ, et de mémoire, hein, et du coup, c'est lui, il fonctionne avec un laser classe 1, et peut-être que son truc est plus réduit. Le problème, c'est que ça, c'est une donnée qui est pas donnée en fait dans la datasheet. Pour être très clair, j'ai pas cette information-là dans la datasheet, donc je vais devoir être obligé de le trouver moi-même au final. Quid de la fenêtre optique? As-tu essayé de faire des essais avec des surfaces opaques? Des surfaces opaques, on laisse tomber. C'est-à-dire que les surfaces opaques, par exemple, c'est moi. Et donc à cette distance-là, ça marche très bien. Mais sorti de 20 cm, après, j'ai plus rien. Voilà. Donc ces capteurs-là, vraiment, ils fonctionnent en opaque non réflectif à une vingtaine de centimètres. Au-delà, il faut du réflectif. Ça, c'est bien expliqué dans la datasheet pour le coup. Peut-être essayer des caches latéraux sur les côtés du capteur pour limiter le code. Ah, ça c'est intéressant ça. Du coup, il faudrait faire limiter les ouvertures sur les côtés. Essayons. On va essayer ça. Et on va essayer ça avec la méthode d'ingénieur, le scotch. Alors, comment on va faire? Ah, ça aurait été plus simple si mon capteur était comme ça, mais bon. Deux bouts de scotch. Alors, je vais essayer de faire ça correctement quand même. Alors, que je vous explique quand même, parce que vous dites, ah ben il a travaillé, mais le problème c'est que j'ai fait ça cette nuit. Et pour être très honnête avec vous. J'avais pas la solution hier soir, parce que j'ai commencé à faire ces essais-là hier soir. Et je fais, oh merde, ça marche pas et tout. Et genre à 2h, 2h30 du matin. Attendez, à quelle heure je me suis. Ouais, je crois que c'est ça, 2h30 du matin, finalement, je suis redescendu en me disant, eh mais attends, ce serait pas un problème de machin, de conne, de. Eh ben oui.
Voilà. Bon, c'est un peu dégueu. On va voir si l'opacité de ce scotch-là fonctionnera bien. On va voir déjà si ça tourne parce que... Ok, ça tourne. Manque plus que la ficelle et on est au top. Ah, je peux mettre encore de la colle chat si tu veux. Scotch élec opaque. Ah bah oui, tu vois, t'as lu. Bah on va voir. On va voir, j'en ai sinon. Mais du fin en fait. Donc c'est un peu chiant. Alors. On va le faire avec le. Bon, avec le moni. Avec le moniteur. On va le faire avec le moniteur. Il détecte même plus là. Ah, le cône il est peut-être un tout petit peu trop resserré. Alors pour avoir déjà joué avec le cône sur ces capteurs-là l'année dernière, ils sont assez chiants avec ça. On va réessayer. Oh, et oh. Qu'est-ce qui met comme temps à se connecter ce... Ah non. Ça marche pas comme ça. Ah! Ah, par contre, là, il détecte quelque chose. Il détecte tout le temps quelque chose. C'est rigolo, ça. Il doit détecter le scotch, j'imagine. Non, regardez. J'ai toujours le même problème, c'est encore pire. Je dois avoir... Ça doit rebondir dessus, en fait. Ça, c'est rigolo. Ah, c'est très rigolo. C'est quoi comme technologie de détection? Ah oui, alors la techno, elle est relativement simple. Hein. C'est alors, il n'y a pas beaucoup d'infos dans la datasheet. On les a démontées avec King et Alex de Area. En gros, tu as une LED. Un système optique devant en plastoc pour faire un peu le focus et puis t'as c'est un voilà. J'arrive pas à savoir si c'est un phototransistor avec un peu d'élec dedans, un truc un peu plus costaud que juste un phototransistor ou autre chose qui est développée par alors OPB c'est Optec qui est développé par Optec. Voilà, c'est un peu bizarre. Et après, derrière, tu as un transistor, ouais, deux résistances et tout. Alex, un transistor, deux résistances, un système optique de merde. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, t'as pas d'infos sur ce qui est marqué dessus. T'as juste la diode, un truc qui récupère l'info, mais tu sais pas ce que c'est. Et puis derrière, ouais, un transistor et de résistance, quoi. Ouais, une photodiode, mais te dire quelle photodiode, là, c'est vraiment aucune info. En fait, avec Alex, on aimerait bien avoir les références, même si c'est chez Optec, pour pouvoir potentiellement intégrer ces capteurs-là sur des cartes à nous, en fait. Mais bon, tu peux bidouiller un système pour essayer de focaliser le faisceau. Bah en fait avant de faire ça, ce que j'aimerais bien, c'est tester la version laser. Parce que si la version laser est beaucoup plus focusée, bah en fait la réponse elle est là. Après, j'ai envie de dire que je vais faire en fait, honnêtement, moi ça me dérange pas. Parce que quand je regarde, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si j'ai deux, juste mettre là, c'est cette distance-là. Donc ça veut dire que j'ai regardé, c'est comme si on avait deux petits robots qui étaient collés l'un à l'autre. Voilà. Donc quand je détecte ça, c'est pas que je les détecte pas, c'est que je les détecte plus proches. Je me dis que ça vaut peut-être le coup quand même de le tenter parce que de toute façon, finalement, ce cas-là. Et ben avant je l'avais aussi en fait parce qu'avec mon capteur qui faisait juste ça avec un servomoteur, et ben en fait il voyait les deux et il faisait comme s'il en voyait qu'une. Donc en fait il se serait arrêté dans tous les cas. La seule chose que j'ai là c'est une distance qui est plus importante et j'ai l'impression de le voir très très près. Mais en vrai si on revoit attendez je vais enlever mon scotch. Mais si jamais finalement on revoit les courbes.
Regardez, il y a des trucs qui vont être très simples. C'est que... Oui, traceur série, merci. C'est que si jamais, voilà, j'ai un capteur, j'ai une balise qui est très proche du robot, là, hein, voilà, c'est comme si le robot adversaire était juste collé à moi. Donc, voilà, j'ai une valeur qui s'approche des 16 millisecondes. Si jamais j'en ai deux, regardez le drop de valeur. J'ai 2 x 16 en fait, quasiment. Donc ça c'est impossible. Ça veut dire que même si je suis devant, j'aurais pas cette valeur-là, quoi. Donc ce qui se passe finalement, c'est que si jamais je détecte 2, c'est comme si je détectais 1 déjà, en fait. Donc autant que je m'arrête. Donc au final, le système, il est encore valide. Au lieu de grosse balise, comment ça se passe avec juste une bande réfléchissante fine? Ah, juste comme ça? Je sais pas, faudrait essayer. De mémoire, est-ce qu'on l'avait fait ça? Quand on avait testé les... On avait fait dans l'autre sens, mais ça c'était con. Alors le souci, oui voilà, le souci c'était que si on avait des bandes comme ça, il y avait des cas où en fait on en détectait plusieurs. C'était un peu bizarre. Et puis surtout ce qui se passait, c'était que en fait il y a des endroits où on détectait mal selon le robot comment il était orienté. Du coup finalement le retour était pas ouf. C'est assez fiable contre les perturbations externes. Écoute, on utilise ça depuis 3 ans déjà. Et en fait c'est donné pour être insensible. Oh, salut 10 000 watts, merci de me suivre. C'est donné pour être insensible aux lumières extérieures. J'ai fait des essais genre en plein soleil, au table de la coupe et pendant des matchs, j'ai jamais eu aucun souci. Genre même, c'était même des fois trop fiable. C'est-à-dire que la première fois où on a été sur le terrain avec ce robot-là, avec cette techno-là, et ben en fait, on a détecté à salut Vano 8, merci beaucoup. On l'a détecté le robot à il était à 1,80 m en fait. Et notre robot s'est arrêté. Donc il a détecté le robot genre quasiment de l'autre côté de la table. Donc ouais, c'est assez fiable ouais, finalement. Avec laser, tu n'auras pas de conne, mais un point. Le problème, c'est que je sais pas trop, parce que comme ils foutent une espèce d'optique chelou là en plastique devant, si ça se trouve, le laser, il fait ça, et puis après, ça fait wouhou! Après, tu vois, vraiment, j'ai besoin de vérifier pour être sûr. OnePlusFilm peuvent te répondre à ce problème de détection multiple, tu peux scotcher tes balises pour. On peut essayer. Genre, on scotcherait comme ça? Bleh. Dans ce sens-là, hein. Ouais, on va essayer. Avec des bandes fines, tu perds l'info de distance. Bah, au final, non, puisque en fait, le cône étant très large. Bon, ça vaut le coup d'essayer. Alors, après. 1,8 mm à 6 mètres avec le laser. Avec les OPB? T'as testé? Salut, Mesker! Ah, si t'as testé Roger avec les OPB 30Z, ça m'intéresse énormément. Alors oui, Alex, il me dit les capteurs de chez IFM. Alors, moi en fait, ce que je vous propose, c'est que... pas testé sur les OPB. Ouais, parce que franchement, je me méfie, tu vois, d'Optec qu'ils auraient fait un truc un peu à chier avec leur lentille devant. Je suis sûr à quasi, allez, on va dire 90%. Que la méca n'a pas changé, c'est juste l'élec qui a changé dans les trois valeurs de capteurs. Il y a trois capteurs différents en fait de cette gamme-là. Et je suis sûr que la lentille, elle est la même. Je suis quasiment sûr. Oui, du coup, alors déjà, c'est pas le même prix. Mais en fait, moi, ce que je vous propose, c'est quand je vais redesigner ma balise, mon mat de balise, et ben en fait, la partie qui tient les capteurs, je vais la faire indépendante du reste. Ce qui fait que. Il n'y aura qu'à changer cette partie-là pour changer le capteur. Du coup, si vous êtes intéressé par ce système-là, eh ben, ce que vous ferez, bah, vous changerez juste le top, vous intégrerez votre capteur à vous, et puis voilà, ça sera parti, quoi. C'est pas cher, IFM. c'est bête, mais avec le capteur à la verticale. Alors, avec le capteur à la verticale, j'ai un cône qui est... Franchement, je l'ai mesuré, on est sur du 5 mm moins large. Le problème, c'est qu'avec le capteur à la verticale, mon système devient très grand et l'intégration est un peu chiante. 1,6, merci de me suivre. Du coup, limite, je préfère garder le capteur à l'horizontale
et permettre du coup aux gens de choisir quel type de capteur ils veulent monter dessus et de faire eux-mêmes leur intégration. Parce que le but aussi, c'est que ça, je le partage, c'est pas que pour moi, et que du coup, d'autres puissent le réutiliser quasiment tel quel, quoi. Par rapport à SICK, c'est toujours moins cher. Alors oui, par rapport à SICK, c'est toujours moins cher. Alors j'ai des capteurs de chez SICK, mais qui ne fonctionnent pas avec des trucs réfléchissants. Enfin, qui fonctionnent très mal avec des trucs réfléchissants, donc je suis un peu dégoûté. Mais bon, bref. Non, non, j'ai quand même testé pas mal de capteurs. Les bandes verticales. Allez, testons les bandes verticales. Ah. On va mettre scotch and wear. Allez, c'est parti. Donc, bande verticale fine. Est-ce que ça, c'est suffisamment fin? Tu penses, Alex? Je sais pas si je le redécoupe ou pas. Bon, les protos, on va se faire un peu de place là. Tout ça ne sert plus. Ah ouais, genre. Et encore, il y en a certains que j'ai jetés parce qu'ils étaient vraiment dégueulasses. Le home run, je vais jamais l'utiliser ce capteur, j'en ai 5. Je sais pas si je. Enfin, si, je pense savoir à quoi je vais l'utiliser, mais à chaque fois, j'oublie de les. C'est vraiment horrible. Je vais y redécouper peut-être. Ouf. Bon, allez. Faudrait que ce soit la bande réfléchissante qui soit fine. Ben, je sais pas. Ouais, je t'avoue que je. Oui, c'est vrai, oui. Oui, en soi, oui. Oui, c'est plutôt ça qu'il faut pas faire. Et ben, du coup, faisons ça. Alors. On va faire un truc, c'est qu'on va bouger ça. Hey, salut cette blip, merci pour le follow. Je vais me mettre là. Alors je vais pas mettre le ça dedans, c'est juste pour le voilà, pour le tenir correctement parce que sinon je ne le fais pas droit. Enfin, je vais user mon scotch. Allez, on va faire environ 1 cm. Hop, on va essayer, hein, de toute façon. Bon, le but, c'est de tester des trucs. Après, encore une fois, moi, honnêtement, en soi, le fonctionnement actuel me suffit. Je suis très content de pouvoir faire ça avec des capteurs à 10 balles. Véridique. Après, les... comment les... Les capteurs laser sont... 2 fois plus cher, je trouve qu'ils sont à 22 € quelque chose comme ça. Donc bon, voilà, c'est tout est relatif. Si jamais on est obligé de prendre du laser, c'est un peu dommage. Et après, ce que j'aime pas dans l'OPB version laser, c'est qu'il est réflectif aussi à. Ah, c'est la fin des haricots. Il est réflectif aussi aux surfaces non réfléchissantes comme ça, en fait. Il va détecter les surfaces non réfléchissantes à 1 mètre. Donc ça m'embête un peu. Voilà, j'aime bien le fait que il n'y a que la balise qui va. D'accord, tant pis, je fais n'importe quoi. Il n'y a que la balise sur le robot qui puisse être vue et pas tout le reste. Hop! Enfin, j'ai fait les deux. Dans le même genre, de la même compagnie. Ah! Oh, je l'avais pas vu celui-là, tiens donc. Detecting distance. C'est pas ouf. Mais en réfléchissant, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose de plus grand, c'est ça? Donne-moi des courbes. Et chez Optec, ils sont vraiment très avares en info, je trouve, sur leur datasheet. C'est. Ouais, mais 50 mm. 5 cm de. C'est pas fou, non? Un peu léger. C'est un peu léger, monsieur. Alors. Hop, on va remettre ça là. On redémarre.
Oui. Alors, maintenant, on va repartir sur notre blablabla. Alors, est-ce que je le fais avec le moniteur serré ou avec le traceur serré? Je vais le faire avec le traceur. Alors déjà. Bon, il a l'air de détecter. Il a l'air de détecter. Si je mets l'autre, il le détecte correctement. Voilà, si je rapproche les deux. C'est pas vrai! Eh mais c'est fou ça! Ah non, en fait la distance est la même. Je pensais avoir gagné, mais. Je pense honnêtement. On a gagné. On a dû gagner un petit centimètre, voire 2 cm. Pas grand-chose. Mais clairement, ça a amélioré les choses. C'est assez drôle. On va avoir des balises code-barre. C'est très très surprenant. Là, je dois dire que je suis. N'attendez pas à ça. Attendez, comment est-ce que je peux poser? J'aurais bien posé mes balises. Décolle les bandes et laisse juste une réfléchissante. Ah oui. Ah mais là ça va être plus compliqué d'avoir. Faisons des essais de manière scientifique, c'est-à-dire on va les mesurer. Allez, on lance ça. Resserrer les scotch. Yes. Alors attends, on va faire les. Alors là, ça marche. C'est pas évident parce que il faut que j'arrive à être sur le même. Clairement, ça marche bien sur des distances très basses. Là, ça a merdé. Là, c'est revenu. Là, ça a merdé. Donc, on est à combien? Ah, j'ai pas mon réglé. Ouais, on est à 11 cm. Des balises réfléchissantes à Rocco. Ah oui, non, mais. Alors, on recule. Bon, clairement, là, le code. Ah, alors. Ah, mais je sais pas à combien j'étais. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est les essais scientifiques de 2 h du mat. Avec des touillettes à café. Alors, là. Bon, là, ça merde complètement. Ah, pas tant que ça. On est à la limite, ouais. Là, on est à 13 cm. Bon. Maintenant, on l'inverse. Ah, on a gagné plus que 2 cm. Et 1 cm au lieu de 13. Et si je me rapproche. Voilà, j'étais là. Là, on était à 11. Là, on était à. Après, la métrologie, c'est comme une. J'ai pas dit que j'étais précis, moi. J'ai pas dit que je fais ça avec précision. C'est la grande différence. Là, je suis à 13 cm. Alors, je vais arrêter. C'est infernal ce bruit. Clairement. Clairement, on a vraiment gagné. Hein. On a grave gagné. C'est très rigolo. C'est très rigolo. J'ai des robots super petits pour avoir 2 balises à moins de 15. Bah oui, voilà. C'est ce que je disais, Julien, tout à l'heure. C'est que, au final, le système me convient aujourd'hui, même avec les balises comme ça. Parce que, franchement, il faudrait vraiment que les deux robots soient très très petits. Enfin, bref. Mais bon. Dans le meilleur des cas, je préférerais avoir un truc qui fonctionne quasiment tout le temps, quoi. En vrai, c'est le principe du code barre, notre truc, plus qu'à encoder un pattern dans chaque balise. Ouais, mais bah alors attends, avec une largeur de camas, je vais pas dire grand chose, quoi. Après, mettre.
Barba métrologue, ouais. C'est de la pifométrologie. Carrément, carrément. Alors là, j'assume complètement. Alors, j'ai même pas pris de valeur de début, de fin. Mais grosso modo, ça marche. C'est pas mal ton mixeur, il manque plus que le récipient. Salut, monsieur Hippo. La barbe à règles. Bah, la barbe à règles, je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Je cherche mon barbe à régler, mais c'est mort. Tu perdrais pas l'info de distance? Eh ben ça, faut le tester. Elle est plus fine, mais sûrement toujours là. Faut tester. Par contre, faut que je récupère ma souris. Alors, est-ce que c'est bon? C'est détecté? Je peux y aller? Voilà, traceur. Bah, c'est-à-dire que je vais le faire avec un seul. Peut-être plus visible déjà. Ça, c'est en plein. Forcément, ma distance est plus petite. Ça, conne est moins long. Donc. Voilà. Mais si je vais plus loin, je diminue effectivement. Et si je tourne, j'augmente. C'est ça. Alors, je sais pas comment je me suis démerdé, mais ça tourne étonnamment bien. Mais au final, là je l'ai. Forcément, c'est plus petit, ouais, effectivement. Et je l'ai, j'ai un. C'est assez linéaire en fait, finalement. Je diminue un petit peu, mais ça marche quand même. Barbatruc. Réaliser sans trucage. Ça c'est pas mal, hein. Ça manque plus que l'information d'angle. Je coderai ça cette semaine. Salut Gizbou, Gizou, Gizou, excuse-moi le H, je l'ai vu comme un B. Les barbadés sont pipés. Mais non, mais écoutez, ça marche drôlement bien ce truc-là. Bien joué, Alex. Bien joué, bien joué. C'est. Oula. Ah oui, forcément. Maintenant, il faut varier les bandes pour tester si on peut améliorer encore plus le truc. Alors, varier les bandes, ça voudrait dire qu'on va essayer de les rapprocher. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors pour la petite info, quand même, c'est des balises qu'on utilise depuis super longtemps. Donc c'est pas des balises qui font 10 cm, c'est des balises qui font 8 cm de diamètre. Donc avant que les nouvelles règles arrivent. Donc il y a peut-être moyen aussi de faire des choses un peu plus intéressantes avec des balises plus grosses. Sans mauvais jeu de mots, bien évidemment. Alors là, du coup, j'essaye de réduire. Alors après, là aussi, il y a un truc aussi, c'est qu'on fait ça bah, dans les conditions de mon chez moi, mais à la coupe, avec les lumières de la coupe, plus de monde et lumière éteinte. Ah, plus large, moins large. Ouais, il va falloir faire pas mal d'essais. Je me demande s'il ne faudrait pas imprimer un pattern carrément. À glisser autour, pour faire des essais. Parce que. Là, je fais ça un petit peu à la. Ça va intriguer hein, si je vais là-bas, je vais à la coupe avec ça. Bon, là c'est resserré quand même. C'est comment ces colonnes là? Les colonnes. Ah! Noire et blanche comme ça. Merde, j'ai un trou. Aidez-moi. Je comprends pas pourquoi ça améliore autant la distance, donc c'est pas que le cône. Bah oui, tiens, c'est marrant ça, effectivement. Si tu réfléchis un petit peu, si c'était que le cône, est-ce que ça ferait exactement la même chose? Après, ah oui, désolé, j'ai peut-être oublié de. Ta balise, c'est un arbitre. J'ai oublié aussi de dire un truc, c'est que j'ai soupçonné autre chose
sur les OPB, il y a un autre truc un peu bizarre. Alors, OPB 720. Je vais vous montrer la datasheet. Oui, je m'en fous, j'ai juste la datasheet. À partir de 565 euros. Non. C'est faux. Alors, où est-ce que c'est? Je vais prendre le 30Z, le 12Z. Voilà, le 12Z, c'est celui qu'on a. Regardez. Ce qui nous intéresse, c'est ce truc-là. Avec Nippon Crystalline, donc c'est à peu près ce que j'ai. Voilà, j'ai pas exactement ça, mais bon, c'est pas grave. Colonne de Buren, merci King. Pff, putain, ouais, j'ai vraiment du mal. C'est lié à l'ELEC dans le capteur et le temps seuil d'activation, je pense. Alex ELEC, déguisement effet Doppler de Sheldon. Ah oui! Ah oui, il y a ça aussi! Ouais, chacun a ses références. En fait, l'activation, quand il vient détecter, quand il arrive sur l'objet, elle se fait à une certaine distance et quand il part de l'objet, elle se fait à une autre distance. Donc, il y a de ça, en fait. Et au début, je pensais que c'était que ça, et pas que le cône. Et donc, finalement, on aurait un truc comme ça. Et donc, c'est ce que j'avais dit sur le Discord. J'ai dit, je pense que c'est lié à l'hystérésis du capteur. Du coup, voilà, je pense qu'il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout qui est en train de jouer, là, et on est en train d'améliorer ça. Et je pense que là, avec les bandes, on améliore la partie hystérésis, au final. Salut Nicole Machino et Colonne de Buren, effectivement, King l'a eu avant toi. Mais je suis d'accord, je suis content que je ne suis pas le seul à avoir cette référence-là en antenne. Alors attendez, Defollow. Ah oui, Defollow, ouais, voilà, la Fanatic Series. Du coup, il y a quand même quelque chose. C'est moi qui l'a dit en preuve, se regarde au-dessus pour la fréquence. Voilà, ça va. À mon avis, c'est pas un problème de code, mais de code d'édiction. Et de fréquence de commutation. C'est pas vraiment une. Ouais. C'est vraiment une hystérésis plutôt qu'une fréquence de commutation, là. Enfin, moi, je le comprends quand même plutôt comme une hystérésis, mais bon. Pas de notion... Enfin, je le sens pas comme une notion de fréquence. Parce que ça, c'est indépendant de la vitesse à laquelle tu arrives, en fait, au final. Attendez, je ne sais plus où j'en étais, là. Donc, on va finir nos petites rayures. King of Chauffe repart avec un dictionnaire Larousse. Ça ne parlera à personne cette référence. Sauf si vous avez des grands-parents qui regardaient Question pour un champion. Strike. Ok. Alors reprenons notre outil de métrologie. Incroyable. Allez, on redémarre. Outils. On attend un peu. Dans sa série. Oh. Je sens que je vais pas faire beaucoup de méca, moi, ce soir. On va essayer de... Voilà, de mettre à peu près au milieu. Waouh, dis donc. Ah, là, c'est bon. Eh ben, c'est mieux, hein. Carrément mieux, hein. 7 cm. Ah, là, c'est marrant parce qu'il me détecte moi, là, maintenant. Troisième signal. Là, il détecte. Là, il détecte plus. Ah, donc là, je suis à... 6 cm. On va. On va faire comme on peut. Il faudrait essayer à la place des bandes noires, des bandes verticales de 1 cm qui partent perpendiculairement. Ça va un peu comme au rayon d'un soleil. Oh là là là. On va vous demander de faire des trucs. Celui-là, il tient pas en place.
peux faire imprimer du catadioc. On va se mettre à 50 cm maintenant. J'étais à 6. Et du coup, là... Non, là par contre... Voilà. Là, maintenant, j'ai un écartement de 13 cm. Donc 6 à 13. Enfin, si je refais le même essai... Avec mes... Bon, retourner. Bon, alors là, du coup, clairement... Voilà. 25. Et 9. Bon, on améliore, hein. On améliore même par rapport à avant, donc c'est intéressant. Et alors, il y a testé avec une profondeur différente de chaque balise. Ouais, alors ça, par exemple... Si je mets à 50, par exemple... Alors là, c'est... Pff, gros vécu que... On est vraiment à la louche, les amis, hein. Bah, un 14, à la moitié de ce que j'avais avant, en fait, quasiment. Et maintenant, si j'inverse... Ça marche encore, là ? What ? Oh, c'est impressionnant, hein. Ouais. 4 cm. Bon, ben... C'était la bonne idée. Je garde l'info de distance, en plus. Ah, j'ai bien celui-là qui a une distance constante. Et celui-là, quand il arrive à la même distance, il a... Oh. Bah, rien. Là, je... Non, c'est bon, c'est normal. En plus, c'est logique. J'ai à peu près la moitié, c'est un cône. On retombe... Physiquement, ça va. Bon. La prise de mesure, c'est pas ça, je vous l'accorde. Mais physiquement, on retrouve nos billes. Voilà. Je pense qu'on n'a pas fait de découverte incroyable. Ça marche quand même. Oh. Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit, cette balise? C'est bien, ça. C'est super bien. Donc, faut que je fasse des colonnes de Buren ou des balises rayées. Putain, c'est génial. Parce que là, c'est quand même relativement acceptable. Je veux dire, cette distance-là. Alors, deux robots qui se mettent à cette distance-là, faut quand même y aller, quoi. On a une vue FPS de la balise, on s'y croirait. Ah oui, là. Ah, c'est vrai que là, j'ai pas eu le temps de regarder de régler mes vues, désolé. Donc si ils sont tous sur la même ligne, les robots ne sont pas en collision. S'ils sont tous dans la même ligne, je vais récupérer la distance de celui-là, par exemple. Bah, mettons que je fasse ça. Voilà, s'ils sont comme ça, je ne récupère l'info que d'un seul robot. Voilà. Et le plus proche. C'est le souci majeur du truc. Après, en soi, oui. Mais c'est pas différent de si t'avais mis un lidar, voilà, qui balayait le terrain. C'est-à-dire que le lidar, il est pas tout puissant, c'est-à-dire que même un lidar classique, il va taper contre un truc, il va dire « là, il y a quelque chose », puis là, il y a un autre petit truc plus loin, quoi. Et le problème est le même. La seule différence qu'il pourrait y avoir, c'est cette année, avec la possibilité de mettre des tags et de regarder au-dessus.
Là, au-dessus, il n'y a pas de rapprochement possible. Ça, c'est beaucoup plus fiable de ce niveau-là. Mais ça demande à faire des techniques et ça demande aussi à avoir du matériel un peu plus coûteux et un peu plus de temps de développement. Là, faut qu'on se rappelle de quelque chose, hein. C'est un capteur à... Combien il coûte l'OPB Alors le 30, il coûte 20 balles. Mais le 12. Le 12, c'est ce soir le 12. Bon. Le 12, il coûte 85 zlatan. Je sais pas ce que c'est. J'étais pas du tout au fond avant. Il coûte. Mais pourquoi je l'ai pas? Donnez-moi un lien Digiki, nom de Dieu. Farnel, bah Farnel, c'est très bien. Voilà, PB12Z, il coûte 13 balles. 14 balles, voilà. T'as un capteur à 15 balles. Le fournisseur, j'étais jamais tombé dessus. Je sais même pas ce que c'est des ZL. Le Zlatan très connu. Mon Dieu. Côte à côte, ah oui, comme ça. Ah oui, là, du coup, tu sais pas dire. Tu sais pas dire. Enfin, pour avoir deux robots côte à côte comme ça, déjà, t'as pas de bol. Le gars en face, il sait vraiment ce qu'il est en train de faire. Et puis, c'est des petits robots. Hein. Déjà, les miens, ils sont tout petits. Là, moi, ils font pas cette largeur-là. Hein. Moi, je suis plutôt à ça, quoi. Donc, on n'est pas trop mal. Donc, non, pour redire ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils se sont fait un bisou. Ouais, c'est 3 fois l'année dernière d'avoir les deux robots, deux petits robots collés comme ça. Putain, vraiment pas de bol, quoi. Oui, du coup, juste pour revenir là-dessus, on est quand même sur de la techno relativement cheap, quoi. Genre un moteur à 1 balle. D'ailleurs, il chauffe. Non, il chauffe pas. Un moteur à quelques dollars, même pas. Un capteur à 12-13 balles. En plus, si vous êtes chez RS, vous avez un partenariat ou un truc comme ça, ou de la réduc, il vous coûte quasiment plus rien. Un aimant, enfin, on est à quelques centimes. Le capteur à effet Hall, c'est pareil, c'est 1 euro. Et après, un bête Arduino, ça tourne, quoi. Donc vraiment là on est sur le plus cheapos possible qu'on puisse faire quoi. Donc c'est intéressant quand même, c'est hyper intéressant au final. Et ça permet du coup de repérer basiquement et facilement dans l'espace des adversaires. Moi je trouve que c'est un beau plus quoi. Je suis sûr que ce truc-là doit me coûter moins cher que le servomoteur. Et en temps de confinement, c'est minimum. Si un robot passe en arrière de l'autre, les courbes vont s'échanger. Oui, exactement. En fait, lui, il détecte dans ce sens-là, et c'est le premier qui chope, qui va mettre en premier, et après, il va faire 1, 2, 3, 4, etc., etc. RIP, IUT de Toulon. Ah mince, c'était l'IUT de Toulon. Ah oui, mais l'IUT de Toulon, eux, ils avaient des robots holonomes, deux petits, c'est effectivement, ils n'étaient pas très grands, et ils avaient en plus des bat balises comme ça sur leur terrain, et ça nous a posé des problèmes. D'ailleurs, c'est avec eux qu'on a eu des soucis avec ça. Enfin, pas avec l'équipe, ils ont été super sympas, mais c'est juste que du coup, on a dû régler notre capteur à cause de ça. Le plus cher, c'est le catadioptre. Bon, c'est peut-être le capteur, mais oui, catadioptre, t'aurais pas donné. Mais catadioptre, tu le changes pas tous les ans. Nous, voilà, je te dis, ça fait. Putain, ça fait combien de temps qu'on les a, celles-là? Je me demande si ça fait pas 4 ans. Ah ouais, ça doit bien faire 4 ans que je les ai, celles-là. On est d'accord que c'est pas des robots de combat. Non, c'est clair. Franchement, c'est parfait. Suffisant dans 95% des cas, c'est top. Ouais, voilà, c'est 95% des cas, et à mon avis, les 5%, c'est les 5% où tu seras en finale et où nous, on sera jamais. Et où, de toute façon, si t'es là-bas, tu tentes quand même des technos un peu plus poussés, je pense, mais bon. RIP Hyperion Robotics, c'est les Grecs. Ah, ça, j'ai pas suivi, ça. Je sais pas ce qui s'était passé. Ils avaient eu le même problème? Aïe. Franchement, moi je suis assez bluffé déjà avec les balises pleines. J'étais déjà hyper hypé quoi parce que ça fonctionnait vraiment bien. Mais là, bah merci Alex Ness.
Parce que ça c'est la killer idea quoi. C'est ouais, c'est vraiment top. Vraiment top. Ouh! Ouais, je deviens un peu cinglé. Si c'est pas déjà le cas. Alors, du coup, c'est chouette tout ça. Ah oui, par contre, je devais quand même vous montrer quelque chose. Parce que tout ça, c'est chouette. Sauf que. Bon, pas grave. Sauf qu'en fait, le problème de ces capteurs-là, c'est qu'ils sont, ils sont capables quand même de voir des trucs très fins. Et du coup, si je relance, va vraiment falloir qu'on trouve quelque chose de beaucoup plus silencieux que ça, parce que ça fait quand même un peu de bruit. Voilà, donc là, il détecte, pardon, il détecte le capteur, mais si je passe à côté, voilà. Détecte mon. Alors, le problème, c'est qu'il détecte moi aussi, il détecte plein de trucs. Voilà. Il détecte le mât, quoi. Même un mât très fin, au final. On va essayer avec ça. Ah, il détecte. Je vais me faire là plutôt. Donc, ça, c'est un peu chiant. Mais d'un autre côté, ça peut se déterminer et on peut savoir ce que c'est par voilà par, en détectant l'épaule et en disant bah voilà de là à là en degrés c'est forcément les barres donc on s'en occupe pas mais bon tout va bien mais ces capteurs sont interdits. Ah non ça serait drôle ça s'ils étaient laser et pas de classe 1 oui ça serait un problème effectivement. Entraînement par courroie et deux tournevis qu'elle écarte moi. ça veut dire que tu peux tourner beaucoup plus vite. Exactement, je peux tourner beaucoup plus vite. Comment est-ce que je peux vous montrer que ça peut tourner plus vite? Attendez. Parce que bon, vu l'heure, je vais pas faire de la méca tout de suite, à mon avis, donc on va continuer les essais. Mais on peut effectivement tourner plus vite. On va faire autre chose. On va débrancher ici. Débrancher le moteur. Débrancher l'alimentation. Le moteur, on va l'alimenter par. L'alimentation externe qu'on va régler à 6 volts. 9 volts, c'est beaucoup. 6 volts, on va régler l'ampérage à 500. Voilà. Nickel. On va démarrer là pour voir. Voilà. Et on va alimenter via l'USB. Mon Dieu, j'ai pas un câble assez long. Ah, c'est très con ça. Ah, je sais. Je suis barba parti. J'ai une rallonge là-bas. Comment est-ce que je peux? Je fais barbatrice, spin faster. Si tout va trop aussi près de Noël, c'est que la collision a eu lieu. On veut que les capteurs soient éjectés du mât. Eh, tu vas rire, mais quand j'avais pas équilibré mon truc, ça bougeait, mais à mort. C'était complètement déséquilibré. Et honnêtement, ça faisait un peu peur. Non, c'est pas possible ça, j'ai pas un truc. Non. Bah vous allez, on va perdre la caméra ici, tant pis. Voilà. Pendant un instant. Donc cette caméra-là ne fonctionne plus. Caméra 1, caméra 2. Voilà, on va juste prendre celle-là.
Voilà. Donc là, ce que je fais en fait, c'est que j'alimente le système via l'USB et je vais alimenter le moteur via l'alimentation stabilisée. Voilà. Donc là, je suis à 6 volts. Barba bureau en bordel. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Oh! Alors regardez, regardez, regardez ça. Attention. Je vous montre. Hein. C'est pour ça que j'en peux plus de ce truc-là. Attention, je viens de changer de port com. Vous êtes prêts? Attention. Wouhou! Com 29999999999999. Non mais sérieux, quoi. Dégager cette fenêtre. Donc là, je suis à 6 volts. C'est pas sous Linux. Et pas sur Linux et pas sur Mac non plus. Sur Mac, ça fonctionne très bien. Et ça m'énerve, il n'y a que sous Windows que ça fait de la merde. Du coup, c'est très très chiant. Alors, on va augmenter un tout petit peu le voltage. Là, on est à 6 volts. Là, on est à 8 volts. Alors forcément, les valeurs détectées sont plus les mêmes. Parce que bah, du coup, c'est du temps, hein. Je te convertis pas pour l'instant, mais c'est bon. Hein. Et d'ailleurs, beaucoup 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 plus réactif. Voilà. Ça c'est à 8 volts. Si je me mets à, si je reviens à 5 volts. Voilà. Beaucoup moins réactif. Donc oui, on peut tourner vite. On peut tourner bien vite. Et du coup, c'est plutôt, plutôt très très cool. Voilà. D'ailleurs, c'est sûr que... Si je... Et alors, je sais plus qui est-ce qui disait ça. Oui, c'était Vincent qui disait qu'il faudrait faire des rayons comme ça. Je suis assez d'accord avec lui parce que du coup, comme le capteur, il est penché, il y a peut-être moyen que ça améliore encore. Alors, par contre... Là, ce serait vraiment au pifomètre, comment orienter les faisceaux. Oh! Ou alors, est-ce qu'il faudrait pas, est-ce qu'il faudrait pas des balises, pas cylindriques, mais un peu en cône, quoi, qui partent, alors non pas comme ça, parce que ton capteur il est dans l'autre sens, plutôt dans l'autre sens. Ah ouais, ça pourrait être intéressant. Merci, Jones Busy. Ah, ça serait très rigolo. Faut un... Dab. Dab, Tev. Tu veux que je dab, Tev? Comment on dab, comme ça? le meilleur dab que vous verrez jamais. Et pas sous Linux, bah écoute, j'ai une bécane sous Linux, là, juste en dessous, là. Ah, voilà, je me tâte, et honnêtement, je suis pas loin, parce que là, c'est vraiment très très énervant de développer sous Windows. Faut imprimer une cloche 3D, ça coûte le prix du fil, ouais. En plus, j'ai de la place, le système, là, il fait 8 cm, du coup, je peux imprimer une cloche avec différents... Ah ouais, bah oui, ça, je peux le faire facilement. La balise peut devenir une œuvre d'art, carrément. Carrément. Sinon, tu peux le faire en vidéo et dans ton pass, tu peux utiliser la commande Pio Device Monitor pour accéder au moniteur série. Ah oui, c'est vrai que j'y pense jamais à ça. Mais je suis vraiment. Je développe très peu. Hein. Voilà, faut être très honnête. C'est vraiment très très pas mon métier. Très très pas. Prix du jury, prix du public. Ouais. Depuis quand on dev sur Windows? Bah. Je vais pas. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Ouh là 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 là. On va essayer déjà de garder son calme. Bon, bah c'est bien tout ça. Eh, on peut développer la cloche peut-être pour ce mode Bali, ça serait très drôle. Baba très très pas dev. Ah oui. Très très pas beaucoup en plus. Hein. Alors, bon, après. Non, pas dev du tout. Mais je me démerde. Le code qui est dans le robot depuis bah, le début des caribous, bah, c'est moi qui le fais. C'est pas foufou, mais ça fonctionne. Alors, Moi je dis que si ça fonctionne, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Brancher ça. Débrancher notre capteur.
Voilà. Je vais rebrancher ma caméra du coup. Alors, est-ce qu'elle fait son petit bruit? Yes. Connectage. Là, elle va pas vouloir se connecter à un G. Et là, oui. Là, non. Alors, attendez. Non pas que ça serait... Ouf. Alors, on va peut-être perdre. C'est normal. Yes. Ok. Ok, nickel, c'est bon. Barba modeste. Bah non, bah barba réaliste en fait, parce que, parce qu'honnêtement, alors je me suis amélioré. Donc c'est-à-dire que quand j'ai relu le code que l'on utilisait depuis très longtemps, là cette année, je me suis dit je vais quand même le refaire parce que je crois qu'il est dégueulasse. Et quand je l'ai relu, j'ai fait ah non, il est vraiment très dégueulasse. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Mais j'ai plus le temps de le faire. Donc bon, voilà quoi. Du coup, tu vas mesurer les arbitres. Oh, ce serait tellement drôle que ça fasse ça, effectivement. Tu vas mesurer les arbitres. Vous approchez pas trop, il détecte les rayures. Barba champion. Oh non, non, pas barba champion du tout. ce serait très drôle. Ne ramenez pas un zèbre sur le terrain, malheureux. Notre détection est spécialement faite pour ça. Bon, arrêtez les conneries. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? Sa vision est basée sur les rayures. Mais du coup, j'ai tellement envie de faire un stickers et le mettre en haut là, tu sais, sur le mat de balise. Ce serait tellement. Ah, je vais le faire. Je pense que je vais le faire. Je pense que si on garde ce système là, je fais ça. Sa vision est basée sur les rayures. Aïe. Alors, on va repartir sur le bureau. Alors, je regarde quand même si j'ai tout débranché. Peut-être 2022, les zèbres. 2021, tu sais pas. Ah, peut-être qu'on va pas changer de... on va changer le thème et tout. On n'en sait rien. Plus de nouvelles bientôt, peut-être. On ne sait pas. Alors, bon, du coup, rebosser là-dessus tout de suite, ça me semble pas hyper intéressant parce que si je commence à bosser dessus, j'ai envie de me laisser un bon 3 heures pour vraiment avancer. Là, si je bosse 10 minutes dessus, 20 minutes, ça sert à rien. Par contre, ce qu'on peut faire vite fait, c'est le petit truc pour les rayures là. Ça c'est plutôt cool et ça c'est un truc qu'on peut imprimer assez facilement ouais, demain. Barba Suspense. Bah Barba Suspense, oui, même pour moi en fait. Au final. Surtout pour moi. Ah, elle faisait pas 8. Oh, c'est marrant ça. Oh. Ça voudrait dire qu'on se serait fait homologuer. Elle faisait pas 8. Et on les utilise depuis super longtemps. Ça, c'est drôle ça. Attendez. Ah, elle faisait 8, 8,8. Bon, ok, c'est passé aux homologations plein de fois. Tout va bien! Tout va bien. Bon, quand t'as un truc qui passe aux homologations une fois, je le ramène à chaque fois, je le change pas, ça sert à rien. Donc on va plutôt mettre 81, on va mettre 82. Donc ça, c'est mon intérieur. On va faire une épaisseur. Alors, faut pas que ce soit trop important, mais il faut pas non plus. Que ce soit trop peu, j'ai une buse de 0,4. En théorie, le minimum ce serait 0,8. On va mettre 1, 2 pour quand même avoir plusieurs couches d'impression. Barba homologué malgré lui, ouais, c'est clair. Bah ouais, bon, après, je suis pas sûr que je me demande même si loin. Je me souviens même pas si elles ont déjà été mesurées par un arbitre, ces balises. Pesées, c'est sûr. Ça, elles sont pesées systématiquement. Surtout maintenant.
Mais mesurées, je pense qu'elles ont jamais été mesurées. Je vous souviens pas avoir vu un arbitre. Si, bah si, si, mais si, si, si. Parce que les arbitres, ils ont, voilà, le même truc que moi, je fais, j'utilise pour faire des des mesures. Ils ont dû faire ça, ils ont. Et oui, alors du coup, c'est drôle parce qu'avec un, voilà, attendez, je vous montre. Parce que voilà, ce qui a dû se passer, c'est ça. Atelier, voilà. Vous voyez ça? Ceux qui ont déjà utilisé un mètre, vous connaissez ça? Ce petit bougeotte là devant. Du coup, si on le prend, si on le mesure au pied à coulisse, il n'y a pas ça. Mais à mon avis, avec leur mètre défoncé à la coupe, ils ont dû faire ça. Ils ont dû dire, oh bah c'est bon, ça fait 8. Sauf que en fait, pas tant que ça. Bon, ils en sont pas là, mais je pense que c'est ça qui a dû se passer. Alors, néanmoins. Alors comment je vais faire, parce que là je parle, mais il faudrait que je puisse le... Il faudrait que je puisse le fixer, ça veut dire qu'il faut que je change de... Il faudrait quand même que j'en imprime des balises pour faire des modifications là-dessus. On va le faire en deux temps. On va d'abord... Voilà, générer... hauteur. Alors du coup la balise elle fait combien exactement? Censé faire 8. Elle fait pas 8 non plus. Elle fait 82. Qu'est-ce que c'est que cette balise? Qu'est-ce que c'est que cette balise? Alors on va être gentil, on va se mettre à 80. Parce que hein, faut pas déconner non plus. Voilà. Les bandes changent pas. Fait avec les outils de l'époque, c'est ça. Alors je réfléchis. La largeur des bandes change pas. C'est quoi la meilleure solution pour faire ça et être quand même. J'aimerais pouvoir le rendre paramétrique. Parce que là, ce que j'aimerais pouvoir mettre, c'est nombre bandes. Voilà. Tiens, par exemple, j'en veux 20. Puis d'avoir, boum, 20 bandes. Sachant qu'une bande de scotch fait environ... Hein. Ah, c'est marrant, ça. 14 mm. J'ai une idée, on va tenter. On va tenter ça. On va supprimer cet élément-là. Alors ça, 80, ça c'est bon, mais par contre on va créer un nouveau composant. Qui va être notre base. Cette base, on va la fixer au sol. Ensuite ici, on va créer notre bande. Notre James Bond. Là, on vient, on va centrer la bande comme ça. Rectangle. Voilà. Ça, c'est notre bande de scotch. Donc, il fait 14 mm de... Voilà. 14 mm. Et on va mettre une petite distance. Là, qu'est-ce qu'on va mettre? Hey, Roger Chin! Il ne me suivait pas, le coquin. Merci. Là, on va se mettre 3 mm, ça me semble bien. Oui, ça fait de la peine. On devrait avoir un ex. Scène bureau. Ah, mince, désolé. Pardon, pardon. Pardon. Toujours à te... Ah, ouais, ouais, mais en plus, le chat, il est très loin. Mais à coup pas. C'est pour ça que tu t'es... C'est vrai que je devrais mettre un petit buzzer. Hey, t'es pas sur la bonne vue. Yes, ça a fonctionné. Bon, du coup, j'ai fait ma bande là. Voilà. C'est la bande de scotch. Je vais créer un nouveau composant.
comme ça. Distance 80. Voilà, au fond. Voilà. Et je vais appeler pound. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, on va pas faire ça dans ce sens-là. On va créer plutôt, on va laisser 80, ça c'est, je suis d'accord. New body par contre, voilà. Non plus, non, je vais y arriver. On va d'abord créer un composant qu'on va appeler bounds. Mais, reviens ici toi. Bound, voilà. Et dans ce composant, on va créer les new body. Voilà. Là, c'est bien. Là, on est propre. Ça, on va faire un circular pattern de ça. Voilà. Et le nombre, on va mettre 3 parce qu'on s'est planté ici. On a mis 20 mm parce que c'est pas bon. Nombre bande. No unit. Bon, bah, tiens, pour la peine. 30. Voilà. Le coup de génie. Ouais, je suis désolé. Et ça, on va le multiplier par nombre bande. Voilà. Yeah. Bon, là, c'est clairement trop. Là, on fait OK. Voilà. Et maintenant. Ah oui, mais par contre. Si je fais body. Create components from body, qu'est-ce qu'il me fait? Ah merde. Donc c'était peut-être pas la meilleure approche, ça. Parce que je vais pas savoir de combien... En fait, je voudrais les... Bon, mauvaise approche. Ok, on revient en arrière. Mauvaise approche. Revenons en arrière, poète. Voilà. Voilà, 3 mm. On va le faire autrement. On va quand même créer un truc qu'on va appeler Band. Voilà. Construction, on va sélectionner notre plan. On va travailler dessus. Là, on va faire notre rectangle. Problème similaire. C'est pas évident ça. J'ai ton logo pour 2020. En schéma vu du dessus, variable angle bande. Ouais, bah ça, du coup, c'est ce que je suis parti faire. C'est. Ah, c'est trop mignon. Attends. Est-ce que je peux l'afficher? Ah, mais pourquoi je peux pas l'afficher? Bah, vous le voyez de toute façon, mais. Ah, ça fait des trucs trop bizarres sur mon. Ah, je vais être obligé de passer là. On va faire ça. Voilà. Et beau. j'aime beaucoup. Le souci, c'est que les surfaces, après, il va pas pouvoir me les prendre. Je vais faire mon idée jusqu'au bout. Et en espérant que ça fonctionne. Sur les répétitions comme ça, il est pas forcément bon. Voilà. C'est large une bande de scotch. 50, très bien. Ok, et donc du coup, si je fais ça avec une répétition circulaire, point central. Nombre de bandes, ok, oui, ouais, ça a bien marché, dis donc. Oh, putain.
Super. Ça n'a pas du tout marché. On recommence. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah, ça marche pas dans le suppresse. Ah, mais non, c'est sale ça. Je suis obligé de. Ah, je suis de déception. Il a une unité, ton paramètre? Non, il est sans unité. Ah, à moins que je sois revenu un peu trop en arrière. Je l'ai changé ça et. Ah putain, et quand je suis revenu en arrière, il me l'a su. Ah! Bien vu. Unité. 15. Ok. Oh, ça sera beaucoup plus simple que de. What? Hop là, hop là, hop là. Mais pourquoi il me le met en paramètre? Attendez, je suis fou ou quoi? No unit, 20. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, mais en plus, je l'avais déjà changé, c'est ça qui est fou. J'ai dû faire un retour arrière un peu violent. Ah, c'est bon, là il me l'a pris. Ou alors c'est moi qui l'ai pas pris. Il va falloir que je revoie le replay parce que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ok, donc là ça marche. Donc si je le change, on est d'accord que 15. Ok, good, c'est bon. Donc là, si je. Tu l'as annulé juste au moment où tu as enlevé les copies. Ah, punaise, c'est ça. Et du coup, maintenant, si je prends le sketch, que je fais profil, sketch. Ah. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir modifier ça à la volée, en fait. Ah, c'est le truc con ça. Non mais attendez, je suis pas. En fait, ce que j'avais fait tout à l'heure, c'était bon. C'est juste qu'il faut que je le pense différemment, en vrai. Je le fais à l'arrache. Mettons, si je fais ça. Tu fais une bande et elle pattern sur la feature qui en résulte. Bah, je suis en train de demander, je suis en train de me dire qu'en le dépliant, ce serait peut-être même plus simple. Ou alors, je sais pas, parce que si je fais cut. Intersect, il va me garder ça, forcément. Et remarque. Cut et tu répètes le trou. Bah non. Bah non, non, non. Parce que c'est pas ça que je veux enlever. Moi, c'est l'inverse que je veux enlever. Je veux garder mes bandes. Et en fait, je vais le faire d'une autre manière. En fait, vaut mieux que je peux le faire. Ça me semble très compliqué de le faire comme ça. On va juste dire bah, que la bande qui a fonctionné, hop. La largeur, c'est 4. Effectivement, je vais le couper et puis ça sera bien. Ou alors, j'ai pas la solution là en tête. Et puis après, je. Hop, voilà.
Cut. Voilà, comme ça je l'ai enregistré. Bandit, ça sert à rien en fait. Du coup. Oula, c'est dur là ce soir. Et du coup, je vais multiplier cette feature, voilà, par le nombre de bandes, et puis ça sera bien. Voilà. Nickel. Voilà. Je voulais le faire dans l'autre sens, mais en fait, mauvaise idée. Ça revient même avec une autre track. Non, oui, voilà. Oui, non, je sais pas pourquoi j'avais dans ma tête, il fallait le faire de l'autre d'une autre manière, mais. Ce qui est pas mal là, du coup, c'est que je peux faire varier la largeur de la bande en fait. Ça, c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que là, je mets large bande. Par exemple, je peux faire des bandes plus fines. Voilà. Et il va falloir que tester pas mal de choses pour que ça fonctionne. Là, techniquement, je suis pas très loin de. Ah, j'en sais rien, ça en fait. Entre là et là, il y a combien? Je suis plus dense ici que ce que j'avais avec cette version-là. Donc, en soi, c'est pas si mal que ça. On avait vu tout à l'heure que 15 c'était à peu près ça. Voilà, là je suis plus proche de ce que j'ai actuellement. C'est rigolo. Je pourrais faire une double couronne pour régler la largeur pour tester. Une double couronne. Ah ouais. Je peux faire. Attendez, 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 attendez. Parce que là on est quand même en train de réfléchir à un truc de 5 minutes. Je vais faire une double couronne avec un système dans la balise que je peux ouvrir. Je pourrais même le laisser. Oh, j'adore! J'adore! Allez, go! Mais du coup, c'est l'inverse qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse des bandes très larges. Deux bandes très larges. Attendez. Alors oui, il faut que j'allonge un peu les bandes. Je vais mettre, voilà. Par exemple. Et l'autre, la même, autour. C'est trop con, mais j'adore. C'est. C'est vraiment, vraiment trop drôle. Voilà, on va faire un new component. Ok. Bah du coup, ça c'est couronne 2. Ça c'est. Je referais bien l'ensemble là en. Là, c'est un peu dégueulasse. J'ai un sketch qui est là. Qui n'a rien à voir là. Est-ce que je peux pas le remonter dedans? Non, ouais, non, forcément. Voilà. Et du coup, là, je peux faire ça. Eh, mais. Je peux peut-être. Est-ce que je peux pas? Yes, et ça. Cut. Je vais couper les deux bodies comme ça sera bien. Nickel. Et en arrière, tu as fait un zootrope. Ouais, c'est ce que je pensais. Je pensais aux zootropes. C'est vrai que ça fait vraiment ça. Premier qui me dit zootropie, Object. C'est ça. Axis, c'est ça. Ok, mais ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas? On va le supprimer, on va le refaire. Feature.
là, axis, là, et nombre. Oh yes, nickel. Je vais cacher ça. On est d'accord pour ma première couronne. On va le. Voilà, ma première couronne est en orange. Merci NostraFR. Et du coup, on va. Yes. Ouais. Trop bien. J'adore! C'est trop bien! C'est trop trop bien! C'est si beau! Bon, plus que 2 vis sans tête pour bloquer le tour en place. Carrément! Ouais, on peut imaginer des trucs aussi pour pouvoir le faire tourner, mais j'ai envie de sourire une seule. C'est. Alors, qu'est-ce que t'as fait pendant ton live? Une essoreuse de salade. Bah écoute, je sais pas. Eh ben, on va l'appeler l'essortrope. Ouais, on va l'appeler. L'essortrope 2.0. Bim. Avec un E, trop. Nickel. Je sais pas comment je vais retrouver ça quand je vais faire mes essais. Par contre, Reloaded. Ah ouais. Remaster. En tout cas, avec quelques lettres, c'est ambiance disco. Ouais. Ouh. C'est très très rigolo quoi. Je pensais pas. Vous voyez, démarrer le live en se disant que tu vas aboutir à ça à la fin. C'est pas très loin d'être complètement improbable. Pour l'impression 3D, je pense qu'il faudrait s'orienter comme ça. Et on pourrait imprimer les deux en même temps. Est-ce que c'est possible ça? Je sais pas si je peux imprimer tout. Yes. Medium, c'est bien. Output Cura. Allez, c'est parti. On va voir un peu ce que ça donne dans Cura. C'est mal de le connaître. Ça va être tricky à imprimer par contre. Mais non. Fait, j'en sais rien. Je lui ai laissé 0,5 de marge entre les deux couronnes. Ça va. Ça va pas être un gros gros souci. C'est peut-être juste le dessus où j'aurais dû faire des arrondis, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut que je change un peu la manière de le faire. En fait, la première manière en extrusion droite, puis après en rotation, elle était bonne si jamais on l'utilise comme ça. Et donc du coup, ça me permet de faire pas un effet carré, mais un effet avec un arrondi. Et là, il n'y a pas de souci. Là, ici, je suis sur quoi? Sur mon effet stos. Ouais, c'est bon. Les bandes sont fines en haut. Ouais, mais. Oh, c'est pas ça qui me fait plus peur, tu vois. Ouais, j'ai quand même trois contours. Hein. Ouais, c'est fin quand même. En vrai, ça va, hein. Ça va faire beaucoup de retraits en fait, à chaque fois. Franchement, moi je dis que ça se. Enfin, pas comme ça, avec l'arrondi en haut. En gros. Bouloubouloubouloubou. En gros, faut que je le refasse, le modèle, mais avec. Alors, pas comme ça, parce que sinon le filet, ça va être. Oh, quoique, est-ce que je peux le faire ça? Voilà. L'idée, c'est que ça fasse ça en haut, pour que ça se passe bien au niveau de l'impression. Mais sinon, en dehors de ça, sur la voiture, ça va bien tenir. Bah, à tenter.
À tenter. De toute façon, il n'y a pas 36 000 manières de le faire, hein, ça. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je le referai demain, correctement, avec l'extrusion et tout, et je le tenterai bien en impression, ouais. Combien il me disait en impression, je n'ai même pas eu le temps. 7 heures! Ah ouais, putain. Ah, il y a beaucoup de changements, la pièce elle est haute. 8 heures quasiment, j'ai même pas vu, 49. Réponse demain matin, en découpe laser sur un axe rotatif. En vrai, j'ai pas d'axe rotatif sur mes découpes laser, mais ce serait pas con. Par contre, j'ai accès à un tour avec une fraiseuse, un combi tour fraiseuse. Et vu la diff avec la balise du dernier live, ce truc va être incroyable au prochain. Tu vas être occupé pour la semaine, grave. Grave. Parce que du coup, quand même, l'idée ce soir, c'était de commencer à redesigner la balise. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout fait ça. C'est-à-dire que, enfin la balise, le mat balise, justement, on a redesigné la balise. Je ne m'attendais pas à interagir là-dessus. Hein. C'est... Mais c'est rigolo. C'est rigolo. D'un autre côté, travailler sur le mat balise sans avoir testé ça, c'est un peu dommage. Il faut garder le même système pour pouvoir comparer les résultats. Par contre, ça veut dire quand même qu'il faut que je l'imprime deux fois. Parce que j'ai deux balises. Du coup, c'est chiant. Donc ça fait... ouais. Bon, après, j'ai... On peut avoir accès à une autre imprimante 3D. Enfin, je vais remettre mon ulti en route. Retrouver du filament. Ce serait possible, quoi. Oh, moi, je trouve ça rigolo. Je vais faire ça, je vais faire ça. De toute façon, ça va être vite dit. Hein, si jamais le truc il commence à faire ça en haut, bon, bah, on saura que c'est pas possible. Mais bon, sinon, 16h. Bah, si t'as deux imprimantes, 8h. T'as du contenu pour les 10 prochains lives à ce rythme-là. Juste le mat balise, hein, on se rend compte hein, quand même. Hein. Heureusement que j'ai fait le robot, il est fini à côté de ça, quoi. Filament noir idéalement, bah j'ai dû. Si. Alors j'ai du filament noir. Ah bah non, si, j'ai du filament. Ah ouais, alors du coup, j'ai du 1,75 mais pas du 2,85. Donc ça veut dire qu'il faut que j'utilise soit mon Hephaestos, soit une des alphas. C'est chiant ça. Bon. Du coup, il faut que je regarde comment le mec a trois imprimantes. Bah ouais, mais en fait, les trois imprimantes, elles sont quand même dédiées à faire d'autres trucs, et c'est pour le boulot. Voilà, si jamais je dois imprimer des trucs pour la coupe, c'est cette imprimante-là ou mon ulti, quoi. Idéalement. Et comme j'aime pas les faire tourner la nuit, c'est forcément quand je bosse. Donc voilà, ces imprimantes-là, elles sont dédiées boulot. Tu fais quoi avec ton imprimante des visières de protection? Et toi, un essor 2.0 reload, c'est exactement ça. Sinon un coup de peinture, sinon un coup de peinture. Honnêtement, c'est pas con. C'est pas con. Peinture noire. Je trouve de la peinture noire dans mon merdier qui est mon garage. Mais ça c'est possible, effectivement. Putain, c'est vraiment vraiment cool ça. C'est vraiment cool. Et vous savez ce qui serait vraiment cool? C'est que on met des graduations. On met des graduations. Attendez, je vais jusqu'au bout de la connerie. Hein. Mettons qu'on refait la balise. D'accord? Le orange, on le fixe dessus. Avec une vis, donc insert plus vis. Et l'autre, ici, là, sur cette surface-là, met un trou oblong. Voilà, avec une vis qui est fixée dedans, ce qui permet de régler, serrer, avec une petite graduation. Et du coup, je peux même à la coupe faire la modification de la balise. Oh, ça serait tellement overkill, mais tellement drôle. C'est tellement drôle que j'ai vraiment envie de le faire. Mais ça veut dire réimprimer la balise du milieu aussi. Ah.
Ouais, avec du 0%, 20%, 40%, grave. Grave, tu vois, tu fais un. Voilà. Où est-ce que je suis là? On va se mettre là. Il me suis trompé. On part vraiment sur des trucs. Voilà. Parfait. Ah, par contre, c'est mal orienté, mais. Ah ouais, ça serait drôle. Je suis sur du 3 mm en même temps, c'est pas épais. Il faudrait que je fasse ça sur quelque chose de plus épais que ça. Mais ouais, 10%. N'importe quoi. 10%. Ah bah non, 3. Oh, c'est gros quand même. Je sais pas si 2 mm là. Après, je peux graver au laser les finitions. Comme ça, c'est ces trucs-là, je peux le faire au laser. Alors, par contre, il faudrait que je le fasse en. Ouais, là, je le fais un peu en mode dégueu, mais il faudrait que je le fasse en cylindrique. En déplié, mais ça pourrait faire un truc rigolo. Peut-être 10%, des graduations un peu partout. Bandception. Du coup, les graduations, c'est des bandes encore plus petites. Ouais, c'est ça. Et tu changes la réalité en fonction de la calibration, tu veux détecter chaque équipe. Genre, moi, ça, c'est pas l'équipe avec des robots, alors. Tu changes la détection en fonction de la largeur du robot adverse. Plus les robots sont larges, plus t'es tolérant. Plus tu peux ouvrir. Plus les robots sont petits et bougent vite, plus tu peux réduire le champ de détection. C'est complètement baisé. C'est assez génial. 1, 2, 3, 4, ça va plus simple. Oui, dans le 10% là, c'était plus pour la déconne. En vrai, je me dis que c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le faire. Si jamais je devais le faire, je le ferais comme ça. Et je mettrais des marques ici. Genre, voilà, quand tu arrives sur cette marque-là, ben, tu es à temps. Sur cette marque-là, tu es à temps, etc., etc. En gros, si je reprends mon sketch là, je peux pas le bouger ça? Ouais. Voilà, tu fais ça, comme ça. T'en fous, voilà. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Voilà, ok. What? Ok. Ah, il veut pas copier le texte. Ok, d'accord. Je vais jamais essayer. Donc. Mais mettons. Hein. Oh, chiant ça. Voilà. On aura une échelle comme ça. Et puis de l'autre côté. On aurait. Voilà. Ça, c'est 10% d'ouverture. C'est 20%, n'importe quoi. Hein. Voilà. Du coup. Voilà, là, on enlève. Et on fait la même chose avec ça. Ok. Ça, quand on tourne, là je suis à 10, là je suis à 20. Plus lisible, j'ai plus de place. Faut mettre fils à un bordel là-dessus. C'est assez drôle ça. Alors ça j'aime bien ça. Ça pour le coup, on peut être vachement plus fin. On a une échelle qui est beaucoup plus grande. On peut même mettre un truc linéaire comme ça. Ça c'est facile. Non plus à designer.
complètement nawak. Complètement nawak, les amis. C'est. J'ai sauvegardé? Je dois avoir sauvegardé au moins 5 fois là. Je suis tellement. Après, c'est pas sûr que ça s'imprime, hein, mais. Si ça s'imprime, c'est très rigolo. D'ailleurs, si ça s'imprime en une seule pièce, on peut même réfléchir à intégrer les pièces ensemble pour que ce soit juste, enfin, pas possible de les démonter, quoi. De comment diverger du planning du live. Mais ouais, mais c'était vachement bien. C'est vachement bien. Et d'un autre côté, si on avait fait ce que j'avais prévu, on aurait refait un peu la même chose que la semaine dernière. Là, on a fait quand même quelque chose de complètement différent. Alors, moi, je trouve ça vraiment chouette. La barbe à balise, ben oui, tout à fait. On a fait une barbe à balise. Non, mais vraiment, là, je suis très content. Bon, là, c'est n'importe quoi, mais je passe à travers. Mais bon, régler ça avant que je me dise, mais ça marche pas. Allez, moins 0,3. Très bien. Voilà. Bon, bah super. Bon, à régler forcément. Bah écoutez, sur cette digression, je pense que je vais m'arrêter là. Barbabalise de ouf. Ouais. Ce qui est déjà minuit et demi, quasiment. Et puis on a bien avancé, on a fait des tests et on a abouti quand même à des trucs assez foufous. Et vous avez clippé? Vous avez clippé? Sérieux, mais qu'est-ce que vous avez clippé? Faut me prévenir quand vous faites des clips. Qu'est-ce que vous avez clippé? Clip. 36. D'accord. Ok. Ah, le Mad Bez. Donc il y a un clip. Ok, Mad Bez. Ça, c'est quoi ça? Et ça tourne avec les. Ah oui. Ok, super. Bah merci pour les clips. Écoutez. C'est assez drôle. Bon, alors, du coup, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. C'était vraiment, vraiment chouette. Bah, j'aime bien quand ça part comme ça un petit peu, un petit peu n'importe comment, quoi. Bah, c'était pas du tout prévu que je fasse ça, finalement, que les essais, on a passé un peu plus de temps que prévu dessus, mais au final, on aboutit à cette réflexion sur la modification des balises. C'est quand même une super idée. Voilà, donc c'était. Très bon live pour moi. J'espère que ça a été instructif pour vous et puis également divertissant. La semaine prochaine, je ne sais pas, peut-être qu'on continuera les balises. En tout cas, c'est sûr que si jamais j'arrive à imprimer ou que j'arrive pas à imprimer cette balise et ce zootrope, cet essortrope 2.0, 2.0 Reloaded, je vous ferai un retour parce que du coup, bah voilà, c'est quand même assez chouette et on l'a fait ensemble et on y a pensé ensemble ce soir, donc du coup c'est vraiment vraiment sympa. Merci à toutes et tous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Enfin voilà, tout est en dessous sur Twitch. Vous avez tous les liens. Allez voir les copains aussi qui font du live. Donc demain c'est King of Chouf qui fait son live et qui présente un de ses robots pour la coupe. Voilà, donc allez voir ce qu'il fait. Oh, une petite suggestion de dernière minute pour ton live. Ne mets pas un fond blanc. On ne voit pas les icônes de gestion du stream et ça pique les yeux. Ne mets pas un fond blanc. Icône de gestion du stream. Ah d'accord. Bon bah écoute, j'y ferai attention. J'y ferai attention. Merci beaucoup. Et ben merci à toi Alex pour toutes les infos. Roger aussi. Ah c'est Twitch qui a fait une mise à jour. Ah oui, je l'ai vu. Oui. Oui, c'est pas logique, effectivement. Je pensais que c'était que moi, mais du coup, vous l'avez tous, et donc c'est bien une mise à jour. Voilà. Bonne rentrée.
Enfin, bon déconfinement pour certains, en tout cas. Faites attention à vous, comme d'habitude. Sortez protégés, tout ça, tout ça. J'ai l'impression de faire un truc contre... Bref. Mais bon, faites attention à vous, prenez soin de vous, fabriquez des trucs. Et puis, bah, à la prochaine. Salut!